وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم مرة أخرى في هذه القاعة، وما زلنا إن شاء الله تعالى مع قصة آدم عليه السلام. مرحبا بكم dans cette salle. Comme d'habitude, nous sommes toujours avec l'histoire de Adam عليه الصلاة والسلام. Adam عليه الصلاة والسلام. Allah عز وجل compte il fait descendre dans le Coran qasas, les histoires. Ce n'est pas pour passer le temps. Ce n'est pas comme un journal ou un livre, on le lit pour passer le temps et dormir. Allah عز وجل compte il fait descendre ce qui s'est passé au prophète, alayhim wa ala nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il veut premièrement montrer au prophète, yani pour ne pas faiblir, que si vous avez des problèmes ou là, il y en a d'autres prophètes qui ont eu les mêmes problèmes et ils ont patienté. Et en même temps pour nous, pour voir yani ce qui s'est passé au prophète et comment qu'ils ont souffert à cause de nous et comment yani que ça a été difficile pour eux, comme ça yani ça va nous aider nous aussi à patienter et à les aimer plus et à les aimer plus. Car quand quelqu'un souffre à cause de nous, il faudrait bien que au moins yani, qu'on aime cette personne, au moins si on ne lui rend pas ce qu'elle a fait, au moins qu'on l'aime. On a vu dire que l'Azawajal, petite révision très vite, que l'Azawajal lorsqu'il a créé Adam alayhi salam et que le diable était avec les anges et qu'il n'a jamais été un ange dans toute sa vie, que l'Azawajal lorsqu'il leur a demandé à tous de faire une prosternation à cette nouvelle créature, et la prosternation est en fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui a ordonné de la faire. Allah Azzawajal, s'il ordonne à quelqu'un de faire une prosternation à une souris, il doit la faire. On ne lui demande pas pourquoi. Il a dit de faire, fait. Donc tous ils ont fait sauf le shaitan. Il a dit non, moi je ne fais pas. Il a fait des calculs. Je suis mieux que lui, j'ai été créé de feu, il a été créé de terre, et il a fait beaucoup de calculs, bien sûr, qui sont très faux. Ces calculs sont faux. D'ailleurs, ils l'ont emmené en enfer. Ensuite, il a fait entrer Adam et Hawa. Ensuite, il a créé Hawa avant de la faire entrer. Il l'a créé sous l'aisselle gauche de Adam. Ensuite, il les a rentrés au paradis. Ensuite, Iblis, elle a fait un ouswes. Il leur a fait un ouswes. Il leur a dit, si Allah Azzawajal vous a privé de manger de cet arbre, c'est pour que vous n'allez pas devenir des anges, ou bien pour ne pas vivre éternellement. Pour ça, si vous le mangez, vous allez devenir deux anges, ou bien vivre éternellement. Ensuite, Hawa l'a beaucoup poussé à manger, a beaucoup poussé son mari à manger. Ensuite, il a mangé, et l'Azawajal les a fait sortir du paradis. Ensuite, il les a fait descendre sur terre. Il a fait descendre aussi, bien sûr, le shaitan là. Je crois qu'on s'est arrêté là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vendredi, Yom Jumu'ah, pardon, il a dit Khayru Yomin Tala'at fi Shams, le meilleur jour où le soleil s'est levé, Yom Jumu'ah, c'est le vendredi. Fihi Khuriqa Adam, c'est le vendredi que Adam a été créé. Fihi Utrila al-Jannah, c'est le vendredi qu'il est rentré au paradis. Wafihi Ukhrija Minha, et c'est le vendredi qu'il est sorti du paradis. C'est un hadith sahih, bien sûr. Dans un autre, celui-là c'est muslim, dans un autre hadith il a dit Wafihi Tiba'adeh, et c'est le vendredi que Allah Azzawajal a accepté le repentir de lui, a fait son repentir. Wafihi Met, et c'est le vendredi que Adam est mort alayhi salam. Wafihi Taqu Musta'a, et c'est le vendredi que ce sera la fin du monde. La fin du monde sera un vendredi.
J'ai dit que quand l'Azza wa Jal leur a demandé de faire la prosternation, j'ai dit que le shaitan n'a pas voulu la faire et il s'est basé sur des mots, des choses bien sûr qui ne sont pas vraies. L'Azza wa Jal, j'ai dit quand il demande à quelqu'un de faire une chose, il doit la faire. Il doit la faire. Il peut, s'il veut savoir allez, quelle est la sagesse de cette chose-là, comme les anges ont demandé, quelle est la sagesse, le hikmah de créer yani Adam alayhi salam. Mais de dire non, je ne fais pas cette chose à cause de ceci ou cela, ça c'est l'égarement et c'est le coffre. C'est le coffre. Mais il y a un avantage ici qui est très important, je crois que je l'ai dit encore, mais le shaitan a parlé avec Allah, il a fait le débat. Ah, pourquoi je fais la prosternation, je suis mieux, etc. Ils ont fait un débat, lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui disent, ceux qui croient que l'iman, la croyance, et croire que Allah existe seulement, ceux-là, ils sont pour, ce sont les djihmites, une secte très égarée, qui dit Allah, pour devenir croyant, il te suffit de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Nous, la première des choses qu'on leur dit, si c'était vrai, le shaitan serait croyant. Le shaitan est un musulman. Pourquoi? Parce que le shaitan, non seulement sait que Allah existe, mais il lui a parlé. Donc attention, la croyance, c'est pas savoir que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Ils disent l'ilm. Ma'rifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a la deuxième secte aussi égarée, Asha'ira. Ils disent, l'iman, c'est quoi? C'est tasdiq. Tu crois seulement. Tu crois, là, tu as dans le cœur, tu as cru. C'est ça l'iman. Tout ça, c'est faux. El Sunna al-Jama'a, ils disent, l'iman, c'est yani quelque chose qui est dans le cœur. Ensuite, avec l'isan, Shahadun la ilaha illallah, Shahadun Muhammad abdu wa rasul. Ensuite, tu fais avec le jawarih, tu fais la prière, tu fais kada. De toute façon, l'iman, on va l'expliquer avec beaucoup de détails, inshallah ta'ala, quand on va arriver à ça, à la aqida. Pour différencier entre les autres sectes, le murji'a, le jahmiya, le khawarij, le muhtazila, dans l'iman, et dire que, sunna ou jama'a, ce qu'ils disent de l'iman. J'ai dit que l'azul, quand il dit à quelqu'un, fait une chose, il doit la faire. Des fois, l'azul te dit de faire une chose pour te tester. Lui, il sait si tu vas la faire ou ne va pas la faire. Mais il veut te tester. Imaginez que Allah Azza wa Jal, avant de dire faites le soujoud, imaginez qu'il ait dit directement au shaitan, toi, rentre en enfer. Il lui dit, pourquoi je rentre en enfer? Il lui dit, parce que si je t'avais demandé de faire le soujoud, tu l'aurais pas fait. Le shaitan aurait pu dire, non, je l'aurais fait. Quelle est la preuve, je l'aurais fait. Donc Allah Azza wa Jal ne veut pas nous juger de ce qu'il sait sur nous. Il veut que nous fassions. Il veut nous demander de faire la chose. Pourquoi? Pour que si on la fait pas, on ne peut pas avoir ensuite d'argument. On ne peut pas avoir d'argument. Car si Allah Azza wa Jal, d'abord, il te dit de gagner, il te fait rentrer directement en enfer, tu vas trouver beaucoup de causes et de dire pourquoi, etc. Si tu m'avais dit, je l'aurais fait. C'est la même chose que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a dit à Ibrahim, alayhi salam, d'égorger son fils, Ismaël. Il lui a dit d'égorger son fils. Parce que vous savez que, comme dans le hadith sahih, que Allah Azza wa Jal est jaloux. C'est un hadith sahih. Allah Azza wa Jal est rare. C'est quoi sa jalousie? Notre jalousie, c'est de sentir quelque chose dans le cœur. Ça, tu es jaloux de quelqu'un ou jalouse, tu sens quelque chose dans ton cœur, les pincements, etc. Allah Azza wa Jal, sa jalousie, bien sûr, c'est pas comme notre jalousie. Car toutes les sifats, tous les actes et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous ressemblent que dans les noms. Pas dans les choses elles-mêmes, pas dans leur vérité, comme les mains, comme les yeux, etc. Donc sa jalousie, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est quand le croyant fait des péchés. C'est, l'Azul dit, cette chose est haram, toi tu vas, cette chose tu l'as fait. L'Azul dit, il dit, il y a un grillage ici, ne le dépassez pas. N'allez pas de l'autre côté. Toi tu vas de l'autre côté, c'est ici que l'Azul est jaloux. Quand tu lui as dit de l'égorger, en fin de compte, c'est pas parce que l'Azul veut qu'on égorge quelqu'un, ma'avallah. Il veut tester, il sait la réponse, il veut tester Ibrahim, est-ce qu'il va le faire ou là il ne va pas le faire. L'Azul a vu dans le cœur d'Ibrahim a.s. que l'amour de son fils était vraiment grand et que peut-être ça allait devenir très grand ou à un point où ça va devenir interdit. Car l'Azul a dit, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il a dit, les croyants, il n'y a pas quelque chose qu'ils aiment plus que l'Allah Azza wa Jal. Tu n'aimes ni ta mère, ni ton frère, ni ton fils plus que l'Allah Azza wa Jal.
quiconque a aimé quelqu'un, une personne, plus que Allah Azzawajal, celui-là, il a fait du shirk, bien sûr. Il a fait du shirk. Allah Azzawajal maintenant veut apprendre à Ibrahim, alayhi salam, que c'est Allah Azzawajal qui doit être le plus aimé. C'est lui, donc cette chose qui est pour toi très aimée, ton fils, tu vas l'égorger. Et quand, bien sûr, quand Ibrahim, alayhi salam, a dit Sami'na wa ta'na, et il est allé pour l'égorger, Allah Azzawajal lui a dit, moi, je n'ai pas besoin de l'égorgement. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire vider ton cœur pour qu'il soit seulement pour moi. Parce que lorsqu'il est allé pour l'égorger, ça veut dire khlas. Il s'est dit dans son cœur, celui-là, il ne doit pas avoir une place comme il y en a, la place qu'on doit laisser à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire khlas, il est prêt à l'égorger. Donc, il est prêt, donc khlas, il est devenu apte à aimer Allah subhanahu wa ta'ala le plus, à aimer Allah azawajal le plus. C'est pour ça que Allah azawajal, lorsqu'il nous dit, par exemple, d'égorger un mouton l'Aïd, il a dit dans le Coran, Allah azawajal n'a pas besoin du sang du mouton ni de sa chair. Mais quand vous faites cela, ça veut dire que vous êtes des pieux. Hein? Je vous ai dit d'égorger, vous avez égorgé. Ça veut dire que vous êtes des pieux. Ensuite, revenons à Adam alayhi salam, et quelque chose de très important que j'ai dit la fois passée, c'est que Ahl Sunnah ou Jama'a, les vrais croyants, les vrais pieux, les vrais qui ont du ilm, qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ne se basent pas sur la prédestination en ce qui concerne les péchés. Quand un musulman fait une faute, il boit de l'alcool, ou là il vole quelqu'un, ou là il fait la zina, ou là il fait la calomnie, il dit pas, on lui dit pourquoi tu fais ça, il dit pas qaddara Allahu ma sha fa'al. Il dit pas Allah ghalib, c'était écrit, que voulez-vous que je fasse? Non, il dit pas cela. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je reconnais le shaitan ici, m'a fait tomber dans le piège, mon âme est faible, je suis faible, etc. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me pardonne. Mais si tu dis, Allah c'est lui qui avait écrit cela, donc par conséquent, entre parenthèses, tu veux dire qu'il t'a forcé à faire cela, ça, c'est quelque chose de très grave, et tu auras fait deux péchés. Premier péché, tu as volé quelqu'un, deuxième péché, tu as dit c'est Allah azzawajal qui m'a forcé à voler. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Allah azzawajal a écrit que tu allais voler parce qu'il savait que tu allais voler. Mais il ne t'a jamais dit de voler, au contraire, il a dit sariqu sariqatu faqta'u aydiyahuma. Il a dit le voleur et la voleuse, coupez-leur leurs mains. Donc comment il te force à voler, ensuite il va te couper la main. Astaghfirullah, ça c'est l'injustice. Ça c'est la vraie injustice. Il te dit, yani, il te force à voler, ensuite il te coupe la main et il te fait rentrer en enfer. Ça c'est l'injustice, ma'avallah. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi. Allah a dit, j'ai interdit l'injustice sur moi-même. Et je vous ai dit, il est interdit d'être injuste. Donc, Sunna al-Jama'a, يعتمدون على القضاء هذا والقضاء والقدر في 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 المصائب وليس في المعايب في المصائب وليس في المعايب هذا السنة والجماعة les gens de la sunna du consensus quand ils font une faute un péché ou là ils regrettent ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon mais quand il y a un malheur qui vient il y a une mort qui vient il y a une maladie qui vient il y a un tremblement de terre là ils disent قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَفَعَلْ. Voilà la différence. On se base sur la le destin, la prédestination, on se base quand quoi? Quand c'est un malheur qui arrive. Et on ne se base pas sur la prédestination quand on fait un péché. Sauf dans un seul cas, lequel? Si on a fait le repentir. Si on a fait le repentir. Si tu fais le repentir, ensuite, quelqu'un te dit, pourquoi toi, autrefois, tu buvais de l'alcool? Tu lui dis, qaddara Allahu ma sha fa'al. Ça, pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, maintenant, j'en bois plus, et je suis pieux, alhamdoulilah. Mais, en train de boire, et tu dis, qaddara Allahu ma sha fa'al, c'est Allah qui a écrit ça, je peux pas, que voulez-vous que je fasse? Ça, tu as menti sur Allah, subhanahu wa ta'ala, prenez bien cette règle, yani, na'tamid al-qada al-qadr, fil masa'ib, wa laysa fil ma'aib. On s'appuie sur le destin, quand c'est un malheur et non pas quand c'est un péché, sauf si on a fait le repentir de ce péché. Sauf si on a fait le repentir de ce péché. Ensuite, c'est la dernière chose qu'on a dit la fois passée, c'est qu'il y a eu un grand débat entre Moussa alayhi salam et Adam alayhi salam
Moussa alayhi salam, on a, c'est pas la peine de dire le hadith, il est un peu long, il a dit à Ouswa Adam alayhi salam, pourquoi tu nous as fait, tu t'es fait sortir et tu nous as fait sortir du paradis. Ensuite, Adam alayhi salam, il lui a dit, tu veux me plaindre de quelque chose qui a été écrite 40 ans avant ma créature, tu veux me plaindre de quelque chose qui a été écrite. Donc, Adam alayhi salam, il s'est basé sur quoi? Sur la prédestination. C'était écrit. Pourquoi? Parce que il ne sait, Moussa alayhi salam ne lui a pas parlé du péché. Il ne lui a pas dit pourquoi tu as mangé de l'arbre. Car sinon, il aurait dit, j'ai mangé de l'arbre, c'est moi yani fautif, j'ai mangé. Ou bien, il aurait pu dire aussi, qaddara Allahu ma shaa fa'al. Pourquoi? Parce qu'il a fait de repentir. Mais ici, dans ce débat, qu'est-ce qu'il lui a dit Moussa? Pourquoi tu nous as fait sortir et tu t'es fait sortir? Adam lui a répondu, c'est quelque chose qui s'était écrit. Ça veut dire quoi? C'est pas le péché qui a été écrit. Ça veut dire que moi, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai mangé une pomme ou une orange ou je sais pas quoi. C'est pas écrit dans le Coran. Hein. C'est quelque chose exactement. Il lui a dit, moi, tout ce que j'ai fait, c'est d'avoir enfreint à la loi. Ça, j'ai désobéi, j'ai mangé. Ensuite, c'est Allah Azza wa Jal qui m'a puni, m'a fait sortir. La punition, c'est un malheur. Ça, c'est pas un péché. La punition, c'est un malheur. Quand c'est un malheur, donc tu peux dire, te baser sur le destin, tu dis qaddara Allahu ma shaa fa'al. Mais quand tu fais tu fais le péché, non, tu dis pas qaddara Allahu ma shaa fa'al, si, sauf si tu as fait, comme j'ai dit, le repentir. Ensuite, le hadith qui parle ici, quelques hadiths qui parlent de la création de Adam alayhi wa ala nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam. An Abi Musa radiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إن الله خلق آدم الله عز وجل أكري آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. الله عز وجل dans un autre hadith bien sûr a envoyé Jibril sur terre car les terres etc. ont été créées avant Adam, vous savez Adam c'est la dernière créature. Il a envoyé Jibril عليه السلام, il est descendu sur terre, Allah عز وجل lui a dit tu vas me ramener de la terre tout ce qu'il y a sur la terre, il a dit tu me ramènes un peu de terre d'ici, un peu de terre de ce pays, un peu de terre de ce continent. Ça, donc, Jibril, quand il a pris de la terre, il est monté chez Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a montré ça. Donc, il a pris de toutes les terres. Et vous avez remarqué que les terres différenciées n'ont pas la même couleur. Pour ceux qui n'habitent pas les grandes capitales, savent que quand vous sortez à l'extérieur à la campagne, vous voyez la terre subhanahu wa ta'ala, elle n'a pas la même couleur. Un champ, il y a un champ où la terre est un peu rouge. Dans un autre, elle est marron. Dans un autre, elle est noire. Et dans un autre, elle est jaune. La terre est jaune. C'est pour ça que, avec cette terre, Allah a créé qui? A créé Adam. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il termine son hadith, il a dit, فَجَاءَ مِنْهُمُ الْأَبْيَضُ. C'est pour ça qu'il a dit, il y a des hommes, des créatures, des personnes qui sont blanches. Les blancs. Ceux qui sont blancs de peau. وَالْأَحْمَرُ. Il y a ceux qui sont rouges, on appelle nous les peaux rouges, les Indiens. Ils ont la peau rouge, comme le sang, rouge. Ou l'aswad, il y a le noir. Hein, les Africains, les Congolais, ils sont noirs. Pourquoi? C'est ils ont créé de la terre qui est noire que Jibril a rapporté à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, ou l'khabith ou l'tayyib. La terre elle-même, subhanallah al-azim, la terre elle-même, il y a la terre qui est bonne, la terre qui n'est pas bonne, khabitha. Il y a la terre où tu mets un grain de blé, peut-être qu'il ne va pas tarder, il va sortir. Et il y a une terre, c'est pas la peine de planter quelque chose, ça ne donne rien. Et même la terre, donc, il y a la bonne et la mauvaise. La même chose, les gens. Il y a le bien, le bon, le mauvais, il y a le khabith. Il y a quelqu'un qui est pervers. Pourquoi? C'est aussi la terre qui joue son rôle, la terre d'où il est venu. Ou sahl, ou l'hazn, ou bayna dalik. Il y a sahl, celui qui est facile, layin, on peut vivre avec lui, on peut le côtoyer, etc. Il y a le hazan, il y a le difficile, ce qu'on appelle l'insupportable. Celui-là, tu parles deux mots, il n'accepte pas. Pourquoi? Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit An-nasu ma'adin, An-nasu ma'adin, ka-dhahabi wal-fidda, subhanallah al-azim. Il a dit dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit An-nas, les gens sont ma'adin, ma'adin. Si on peut dire, sont des matières, comme il a dit, comme l'or et l'argent, sont des métaux, comme l'or
et l'argent. Tu trouves des gens qui sont, yani, qui sont chers comme de l'or et de l'argent. Tu trouves d'autres, yani, qui ne valent rien, qui ne valent rien. Il y a des gens avec qu'on voudrait pas séparer, se séparer d'eux. Il y a des gens qu'on voudrait pas rencontrer. Voilà, il y a des gens qu'on voudrait pas séparer d'eux. Il y a des gens qu'on souhaite ne pas rencontrer quand on marche dans la rue. Ensuite, عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith qui est sahih. Je crois que vous connaissez maintenant ma méthode. C'est pas la peine de dire à chaque fois sahih. Car inshallah ta'ala, je ne marche qu'avec le sahih. Je ne prends que des livres où il y a le sahih. Mais toutefois, peut-être je peux dire un hadith qui est da'if ou là. Vous me le dites inshallah ta'ala, barakallahu fikum. Le prophète Ali صلى الله عليه وسلم a dit. لما خلق الله آدم لوسك الله عز وجل أخي آدم تركه ما شاء أن يدعه il a laissé un bon bout de temps comme ça يعني avant de lui souffler avant de lui souffler de l'âme pour qu'il soit vivant. Maintenant c'est de l'argile par terre avec de l'eau etc. C'est resté un bon bout de temps comme ça avant que Allah عز وجل lui ait insufflé l'âme. فجعل إبليس يطيف به et le shaitan هذا le diable c'est étonné, c'est la première fois yani, qu'il voit une créature comme ça de 30 mètres de hauteur comme ça sur le sol gisante 30 mètres. Il commençait à se dire qui c'est cette personne, pourquoi Allah l'a créée, qu'est-ce qu'elle va faire, quel est son rôle. Il s'est posé beaucoup de questions. Ensuite lorsqu'il a bien remarqué qu'il avait un ventre et qu'il n'avait même rien à l'intérieur de son ventre. Pourquoi qu'il n'a rien remarqué? Il a remarqué qu'il n'a rien dans son ventre, car dans un autre hadith, il est dit que faisait Iblis Allah, que faisait Shaitan de temps en temps? Il rentrait par sa bouche et sortait de l'autre côté. Il rentrait par sa bouche et allait juste de l'autre côté et sortait. Il voulait même voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc quand il a vu qu'il avait un ventre et qu'il n'y avait rien à l'intérieur, ni intestin, ni rien, ça c'est de l'argile. Qu'est-ce qu'il a dit? قال النبي صلى الله عليه وسلم عادي عرف أنه خلق لا يتمالك عرف أنه خلق لا يتمالك donc il a su que c'est une personne qui va être créée qui ne peut pas se contenir ou qui ne peut pas يعني tenir ses passions. Il a su, il a dit donc celui-là il ne peut pas être يتمالك, il ne peut pas يعني garder ses passions, ce sont ses passions qui vont le guider. D'autres ulama ont dit لا يتمالك يعني نووي l'a dit et c'est-à-dire qu'il ne peut pas se retenir quand je vais faire le wiswas, je vais venir dans ses oreilles, je vais lui parler etc. celui-là يعني il ne peut pas se retenir. Et d'autres ont dit لا يملك نفسه يتمالك, ça veut dire لا يملك نفسه عند الغضب. Iblis a dit donc celui-là quand je vais l'énerver je suis sûr qu'il ne va pas pouvoir se retenir. Non, il ne va pas pouvoir se retenir. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que les signes de l'hypocrite, il a dit, sont trois ou quatre, dans un hadith il a cité trois, dans un hadith il a cité quatre. Parmi les quatre signes de l'hypocrite, c'est quoi? Il a dit, wa ida khasama fajr. Ici, il y a yani, des problèmes où là, il est énervé, hop, yafjar. Ou bien il peut jurer par Allah que ce n'est pas vrai, ou bien il peut dire yani, des insultes, etc. Alors que le vrai croyant, quand il s'énerve, il sait que khalas, le shaitan est venu, il commence à dire Aoudou Billahi Minash Tarajim, il essaie de s'éloigner de cette personne, il essaie. De toute façon, c'est difficile ce que je vous dis, c'est difficile. Mais les pieux, comme a dit Allah Azza wa Jal, Inna alladhina attaqaw, idha massahum ta'ifun min shaitan tadhakkaru. Allah Azza wa Jal a dit les pieux, si jamais le shaitan les fait énerver, ils se souviennent. Ils se souviennent vite que Allah Azza wa Jal n'aime pas ça. Et que ça, c'est le shaitan, et ils se souviennent vite et ils disent A'udhu billahi min shaitan rajim. Quand quelqu'un s'énerve, le grand médicament c'est quoi? C'est de dire A'udhu billahi min shaitan rajim. Mais tu as peur quoi? Tu as peur de ne pas te souvenir cette phrase. C'est pour ça que l'Allah a dit les pieux se souviennent. Pourquoi? Parce que tout le temps son cœur est vers Allah, il est attaché avec Allah. Donc le shaitan va essayer de l'oublier, mais il ne peut pas. Pourquoi? Son cœur ne vit que pour Allah. Un autre qui est du matin au soir l'islam dans une direction et lui il est dans une direction, comment veux-tu yani, le shaitan est avec lui 23h30 sur 24 pour ne pas dire 24 sur 24, comment veux-tu qu'il va le laisser
se souvenir de Aouzoubillah min shaitan radjim quand il est énervé. C'est pas possible. Il faut que ton cœur soit yani, toujours orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu puisses dire Aouzoubillah min shaitan radjim. Et encore pire que cela, certains gens quand ils s'énervent, même toi tu lui fais souvenir, tu lui dis Aouzoubillah min shaitan radjim, il la dit pas. Ou Aouzoubillah min shaitan radjim, khalas, il la dit pas. C'est difficile pour lui, khalas, le ghadab hada, l'énervement l'a pris yani, au plus haut degré. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah, il a dit quand quelqu'un est énervé et il dit à sa femme tu es divorcé, on va voir. L'énervement se divise en trois groupes. Très énervé, de façon à ce que il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Il ne sait pas qui est devant lui. Il ne sait pas s'il est en France ou en Algérie. Il ne sait pas cette personne qui est en face de lui, c'est son père, ou là, un ami, ou là, un âne. Il ne sait pas, classe. Il a tout perdu. Celui-là, quand il dit à sa femme, tu es divorcé, elle n'est pas divorcée. Ensuite, il y a le deuxième cas, celui qui s'énerve, mais il est très très conscient. Juste, il s'est un peu énervé. Il est très conscient. Celui-là, quand il dit à sa femme, tu es divorcé, elle est divorcée. Et il y a le milieu. Tu es énervé, tu es assez conscient, mais des fois, assez conscient, mais quand même, il y a des mots qui sortent tout seul. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, ici, il y a divergence entre les ulama. Et lui, il a dit, moi, je choisis qu'elle n'est pas divorcée. Il a dit, dans le deuxième ici, au milieu, il a dit, je choisis qu'elle n'est pas divorcée. Al-Muhim. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith sahih toujours, il a dit, An-Anas bin Malik, radiyallahu ta'ala anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البروفيت صلى الله عليه وسلم أدي لما نفخ في آدم lorsque الله عز وجل a insufflé de l'âme, je dis bien de l'âme, et non pas son âme, pour faire la différence de l'âme, c'est l'âme qui l'a créé, comme il a créé les cieux et la terre et la mer et les arbres, il a créé l'âme, il a pris l'âme هذه, il l'a mise dans le corps de Adam alayhi salam, et ce n'est pas son âme. Si tu veux dire son âme, c'est vrai que ça veut dire son âme d'Allah, ça veut dire celle qui l'a créé, c'est son âme. Comme moi, c'est ma voiture, c'est mon micro, c'est mes enfants, ça sont à moi. La zéro, c'est son âme à lui, mais ce n'est pas son âme qui, on dit, yani, sa propre âme. Là, ça, c'est grande faute dans la Aqida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la zéro a insufflé de l'âme, l'âme qu'il a créé, il a insufflé dans le corps de Adam alayhi salam, tabalara ruhu ra'sa. L'âme maintenant est en train de yani, rentrer dans le corps de Adam. Il a dit lorsqu'elle est arrivée à sa tête, lorsque l'âme elle monte, hein, c'est comme si on prend par exemple un ballon, on est en train de le gonfler, ou là, une grande bouée, on est en train de la gonfler. Lorsqu'il a dit l'âme est arrivée à la tête de Adam alayhi salam, exactement à la tête, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éternué. Le premier homme qui a éternué, c'est Adam alayhi salam. Il a éternué. Faqala, qu'est-ce qu'il a dit? Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah al-adim. Adam a éternué, il a dit Alhamdulillahi rabbil alamin. Hala, personne ne lui a appris à dire cela. Sauf le fitra, yani par nature. Il a dit Alhamdulillahi rabbil alamin. Beaucoup de gens, quand ils les éternuent, ils disent n'importe quoi. Ils ne savent pas qu'on dit Alhamdulillah. Il y a trois ou quatre choses qu'on dit. On dit Alhamdulillah, ou bien Alhamdulillah ala kulli hal, ou bien Alhamdulillah rabbil alamin, ou bien Alhamdulillah hamdan kathirun tayyibun barakun fih, kama yuhibbu rabbuna yarda. Il y a seulement quatre choses. Beaucoup de gens disent n'importe quoi. Il y a certains qui éternuent, ils disent Al-haq wa Alhamdulillah, Al-shukr lillah, Al-salatu salam ala rasulillah. Tout ça c'est faux. Quoi? Ce sont des adorations. Tu ne peux pas inventer des choses de ta tête. Si j'invente, khalas, je peux dire n'importe quoi jusqu'à ce que je vais dire yani, des choses qui n'ont rien à voir avec le din. À chaque fois que je m'éternue, j'ai dit que mon père soit bien, que je réussisse inshallah ceci. Et plus égarés sont ceux qui, lorsqu'ils éternuent, là je ne sais pas ce qu'ils disent, mais les autres leur disent à tes amours, ou là, à tes souhaits, ou là, je ne sais pas ce qu'ils disent. Hadou, Masakin, ils prennent, ils laissent des choses à Allah, subhanahu wa ta'ala, son prophète, et ils essayent d'imiter les kuffars. Pourquoi? Ils sont complexés. S'il y a des gens qui les entendent,
peux pas dire à quelqu'un qui a éternué et dit Alhamdoulilah, il a honte de lui dire Yarhamoukallah. Il a honte. Il lui dit à tes souhaits. Pourquoi? Pour que les koufars ne rient pas de lui. Pour que les koufars ne rient pas de lui. Et le moyen, qu'est-ce qu'il a fait à Adam Aïssan? Il a dit Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Donc je répète ce qu'on dit, ou bien Alhamdoulilah c'est tout, ou bien Alhamdoulilah Rabbil Alamin, ou bien Alhamdoulilah ala kulli hal, ou bien Alhamdoulilah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. فقال له الله عز وجل الله عز وجل a répondu à Adam lorsqu'il a dit Alhamdoulilah Rabbil Alamin, il lui a dit Yarhamuka Allah, Yarhamuka Allah. Donc quelqu'un, quand il éternue, s'il a dit Alhamdoulilah, ou bien les trois que j'ai dit tout à l'heure, sauf avec cette condition, s'il a dit, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit Alhamuka Allah. S'il n'a pas dit, il a seulement éternué, et il s'est tué, ou bien il a dit quelque chose qui n'a rien à voir, celui-là on ne lui répond pas. Il faut qu'il dise l'une des quatre choses que j'ai dites tout à l'heure. Ensuite, des fois quelqu'un éternue, on l'entend pas, on n'est pas sûr s'il a dit Alhamdoulilah, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? On peut lui dire, comme disait Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu, hadith c'est dans Fath al-Bari, Sahih Bukhari, il a dit, quand Abdullah ibn Omar était dans la mosquée, il entendait quelqu'un éternuer mais de loin. Je ne savais pas s'il a dit Alhamdoulilah, il n'a pas dit. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis Alhamdoulilah in hamid. Pardon, Yarhamukallah in hamid. Yani, je t'ai dit Yarhamukallah dans la condition, inshallah ta'ala, où tu as dit Alhamdoulilah. Moi, je ne t'ai pas entendu. Donc, je t'ai dit Yarhamukallah in hamid. Si tu as dit Alhamdoulilah. Ensuite, quand quelqu'un, j'ai dit, il éternue, il dit Alhamdoulilah. Nous, qu'est-ce qu'on lui dit? Yarhamukallah. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il répond de l'une des deux choses. Ou bien il dit Yahdikum Allahu wa yuslihu balakum. Ce hadith se trouve dans Sahih al-Jami'. Ou bien tu dis Yahdikum Allahu wa yuslihu balakum. Ou bien tu dis Yaghfiru Allahu lana wa lakum. Yaghfiru Allahu lana wa lakum. Certains disent que Yahdikum Allahu wa yuslihu balakum, on l'a dit aux musulmans s'il est avec les kuffars. C'est pas vrai. Musulmans seul ou avec les kuffars, tu choisis l'une des deux. Tu lui dis يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ ou tu dis يَهْدِكُمُ اللَّهُ وَاسْلِحُ بَالَكُمْ. Allah Azza wa Jal donc lui a dit يَرْحَمُكَ اللَّهُ. Ensuite, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمْ مِنْ تُرَاب. إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمْ مِنْ تُرَاب. Pardon, c'est pas celui-là le hadith, c'est pas celui-là que je voulais dire. Non, c'est un hadith long, c'est celui-là, mais c'est un hadith long. Je n'aime pas répéter ce que j'ai déjà dit. Maintenant, je dis quelque chose de nouveau. Il a dit, lorsque Allah Azza wa Jal nafakha fi ruhih, lui a insufflé de l'âme, fakana awwala ma jara fihi ruh basarahu wa khayashima. La première des choses que l'âme, où est arrivée l'âme, tout à l'heure on a dit sa tête, ça, sa tête. Maintenant, c'est un autre hadith, les hadiths ne se contredisent jamais. Le deuxième hadith, il a dit basarahu, ses yeux wa khayashima, ses narines. Et bien sûr, les yeux et la tête et les narines font partie de quoi? Font partie de la tête. Tout ça, c'est la tête avec le visage. Tout ça, c'est la tête. Donc la première des choses, tout à l'heure, c'était la tête, on ne savait pas exactement où est arrivée l'âme. Maintenant, il montre que pour éternuer, elle est d'abord passée par les yeux et elle descend. Elle est rentrée par sa tête, ensuite les yeux, elle descend, elle est arrivée l'âme à son nez, à ses narines. Il a dit fa'atasa, fa'atasa. Il a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Falaqahu Allahu hamda rabbih. Fa Allah Azza wa Jalla laqah hamda rabbih fa qala yarhamukallah. Allah Azza wa Jalla lui a dit yarhamukallah. Thumma qala ya Adam, o Adam, idhhab ila ha'ula'i an-nafar, va à ceux que tu vois là-bas, ils sont assis, bien sûr, ce sont les anges. فَقُلْ لَهُمْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ, et dis-leur السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَانْظُرْ مَدَ يَقُولُونَ, et écoute ce qu'ils vont te répondre. Va leur dire السَّلَامُ عَلَيْكُمْ et écoute ce qu'ils vont te répondre. فَجَاءَ آدَمْ, il est venu aux anges, فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ, il a dit السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. قَالُوا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ. Regardez, on peut dire à quelqu'un وَعَلَيْكَ السَّلَامُ, c'est pas la peine de lui dire, il est seul, on lui dit wa alaykum salam, ça se fait. Wa alayka salam, parce qu'il est seul, ça se fait. Regardez, les anges lui ont dit wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
فقال يا آدم، ensuite الله عز وجل a dit ô Adam, هذه تحيتك وتحية ذريتك. Donc الله عز وجل lui a dit ce sera la façon de saluer pour toi et pour tes enfants, les enfants qui vont venir, c'est-à-dire nous. Ce sera vous, votre façon de saluer les gens. فقال يا رب. Adam عليه السلام a profité ici pour poser une question. Il a dit يا رب ô Allah, ô ma ذريتي, c'est quoi mes enfants? Comment va-t-il savoir que l'âge va créer de lui une femme et qu'il va avoir des enfants? Il sait tout ça, il ne le sait pas. Il a dit, c'est quoi mes enfants? Je ne comprends pas, c'est quoi mes enfants? L'âge lui a dit, Ikhtar yedi ya Adam, choisis ma main, Adam, choisis une de mes deux mains, choisis ma main. Qala akhtaru yamina rabbi, il a dit, je choisis la droite d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa kita yedi rabbi yamin. Et les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont la droite. Je choisis la droite et je sais que les deux mains sont la droite et que l'azul n'a pas la gauche. Et le hadith, il y a un hadith sahih dans Muslim, il est parlé de la gauche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama ont beaucoup parlé sur elle. Comme Cheikh Al-Albani a dit, chaz, ça veut dire, malgré qu'il est dans Muslim, et puisque Muslim a contrarié le Bukhari dans ce hadith, il devient faible, il devient chaz. Donc on dit quoi? On dit l'azul n'a que la droite. Les deux mains sont droites. Ensuite il a dit, puisque Adam a choisi la droite, l'azul a tendu sa main. A tendu sa main. Fabasata kifta. Fa'ida min huwa ka'inun min zuriyatihi fi kifti rahman. Lorsque l'azul a tendu la main à Adam, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a trouvé sur la main de Allah subhanahu wa ta'ala? Toutes les personnes qui allaient être créées jusqu'à la fin du monde. Toutes les personnes qui allaient être créées jusqu'à la fin du monde. فَإِذَا رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى أَفْوَهِ مِنْ نُورٍ. Ensuite, Adam a.s. remarque parmi toutes ces personnes, des milliards et des milliards, il a remarqué qu'il avait tous, ou bien quelques-uns, فَإِذَا رِجَلْ, quelques-uns avaient autour de la bouche de la lumière noir. Ils étaient visibles comme ça, ils avaient de la lumière autour de la bouche noir. Wa idha rajulun ya'jabu adama nuru, et entre ceux-là il y a quelqu'un dont la lumière a plu à Adam. Il a dit, bon, il y en a beaucoup qui ont de la lumière autour de la bouche, mais celui-là c'est un peu particulier, il lui a plu. Qala ya rab man hada, il a posé la question à Allah subhanahu wa ta'ala, qui c'est cette personne, yani elle m'a plu. Qala, Azza lui a répondu, ibnuka Daoud, c'est ton fils Daoud, yani qui va être créé, il va être un prophète, c'est ton fils Daoud. Qala ya rab, il a posé une deuxième question, ya rab kam ja'alta lahu min al-umur, combien lui as-tu donné, yani combien va-t-il vivre, combien lui as-tu écrit d'années à vivre. قال جعلت له 60, l'âge lui a répondu, celui-là il va vivre 60 ans. قال يا رب آدم آدي, ô Allah, فأتم له من عمري حتى يكون عمره 100 سنة, ô Allah, ajoute-lui de mon âge jusqu'à ce qu'il puisse vivre 100 ans, c'est-à-dire ajoute-lui encore 40 ans, ajoute-lui de mon âge pour qu'il vive jusqu'à 100 ans. ففعل الله ذلك وأشهد على ذلك. الله عز وجل dans un autre hadith il a dit, yani tu acceptes, tu acceptes, tu es sûr, etc. Il a dit oui, j'accepte, etc. فأشهد, il a fait yani des témoins que il a été d'accord d'ajouter 40 ans à Daoud عليه السلام. فلما تقدم عمر آدم بعث الله إليه ملك الموت. Ensuite lorsque Adam a vieilli, il était très près de la mort, Allah عز وجل lui a envoyé l'ange de la mort. Vous savez, quand l'ange de la mort vient à un prophète, il le fait choisir. Yani, tu veux mourir ou tu veux pas. Alors Adam lui a dit, subhanallah, awalam yibqa min umuri 40 sana, ne reste-t-il pas de mon âge 40 ans? Subhanallah, je me connais bien, j'ai fait des calculs. Il manque 40 ans. Il lui a dit, il manque 40 ans. Faqalahu al-malik, alors l'ange lui a dit, awalam tu'tiha ibnaka Daoud, n'as-tu pas donné les 40 ans à ton fils Daoud? Il a dit, فجحد ذلك. Adam عليه السلام a nié, il a dit non, je n'ai pas donné 40 ans
à mon fils. Ensuite, il a dit, Fajahadat Zuriyatu. Et ses enfants, c'est-à-dire nous, ont aussi nié. Ensuite, il a dit, Wa Nasiya, et il a oublié Adam, Fanasiyat Zuriyatu. Ses enfants ont aussi oublié. Premièrement, chaque personne voudrait qu'elle vive encore plus. Ça, c'est une chose très très naturelle. Très 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 naturelle. Et chaque personne, peut-être, ne voudrait pas qu'elle meure. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit dans le hadith Bukhari, il a dit une fois que yani, quiconque voudrait mourir, yani, quiconque il sera réjoui avant de mourir, Allah azza wa jalla se réjouira de lui, et quiconque ne veut pas rencontrer Allah, Allah aussi ne veut pas le rencontrer, en tout cas en ce sens. Alors Aïcha radiallahu ta'ala a profité pour dire pourquoi y a-t-il des gens qui ne détestent pas, qui aiment la mort. Ça veut dire tous détestent la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu n'as pas bien compris le hadith. C'est pas ce que je voulais dire. Il a dit, chaque personne avant de mourir, elle arrive à un stade où elle ne va plus parler. Car elle a déjà vu les anges venir de l'autre côté. Le malade, il est là avec nous, en train de respirer, on lui donne de temps en temps. Il nous fait un geste, ça veut dire donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Des fois, il parle, donnez-moi de l'eau. Ensuite, seulement les gestes. Ensuite, à un stade, il ne parle plus. Tu lui dis n'importe quoi, il ne s'entend pas, il ne sait pas ce qu'il y a autour de lui. Pourquoi ? Parce que maintenant, il commence à voir les anges de loin qui sont venus pour prendre l'amana, pour prendre l'âme. À cet instant exactement, ou bien, ce que voulait dire le prophète, il a dit, ou bien, il sera très réjoui de rencontrer Allah, car il verra des anges habillés en blanc, de très jolis anges, avec un cercueil venu spécialement du paradis du cercueil. Imaginez, avec une odeur qui remplit la chambre. Seul lui pourra la sentir. Toi, tu es avec quelqu'un qui va mourir dans 30 secondes ou 40 secondes, il va rendre l'âme. Il a commencé déjà à sentir la bonne odeur. Et il a déjà dans son cœur, yani, il est tout souriant, il est même pressé de mourir. Donc là, comme a dit le prophète, donc il est réjoui de rencontrer Allah, il est même pressé. Allah Azza wa Jalla est réjoui de le rencontrer, parce qu'il va le faire rentrer en enfer. Et l'autre, le deuxième, le kafir, ou l'ayadu billah, avant de mourir à ce stade exactement, il va voir au loin des anges habillés en noir, portant un cercueil de l'enfer. Un cercueil enflammé, il commence à le voir. Déjà, il sent son cœur se déchirer. Déjà, il voudrait pleurer, il voudrait yani, crier, il voudrait tenir la main de celui qui est devant lui, son fils, sa mère. C'est impossible, ça y est. Voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu mérites aujourd'hui. Et il commence à sentir une odeur très très puante, très très puante. Il n'y a pas une odeur plus puante que celle-là. Donc là-bas, il ne voudrait pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Il voudrait faire tout s'il pouvait se sauver. Et Allah azza wa jalla ne veut pas rencontrer aussi cette personne. Donc ici, quand Adam alayhi salam, il a dit, Tajahada, il a nié. Et ses enfants ont nié. Ensuite, il a dit, il a oublié, ses enfants ont oublié. Pourquoi il a nié? Lorsque il a fait avec Allah subhanahu wa ta'ala le témoignage, etc., qu'il acceptait de lui donner les 40 ans, c'était où? C'était lorsqu'il a été créé. Maintenant, il a vécu à peu près 1000 ans. Il a mis 1000 ans. C'est pour ça qu'il ne se rappelle même pas. C'est pour ça que ce hadith, exactement quand il a dit, Tajahada, il a nié, Tajahada Zuriyatu, ses enfants ont nié, directement il a dit, Fanasiya, il a oublié, ses enfants ont oublié. Pour ne pas dire qu'un prophète, il nie. Un prophète, il nie et il ment, il dit non, j'ai pas donné. Il a nié, naam, oui, il a nié. Se basant sur quoi? Se basant sur l'oubli. Moi, quand quelqu'un me prête 1000 euros, ensuite j'oublie, je reste 2 ans, 10 ans, j'oublie, il me dit, rends-moi l'argent, je lui dis, tu m'as rien donné. Il me dit, tu nies? Oui, je nie, tu m'as rien donné. Pourquoi? Tu oublies, Allah l'adim. Tu peux pas. C'est l'oubli. L'oubli, tu oublies ta prière, tu l'as oublié. Maintenant, j'ai oublié. Donc, la négation, nier, ça se divise en deux. Tu nies basé sur l'oubli et tu nies basé sur quoi? Sur non. Sur ça. Tu te rappelles et tu veux pas et tu nies. Tu te rappelles la chose
tu dis non, je lui donne pas. Je t'ai prêté 1000 euros, non, tu m'as pas prêté. Dans mon cœur, je dis, Allah, ça, il m'a prêté, mais je lui donne pas. Ça, c'est pas la négation qu'a nié Adam. Adam a nié en se basant sur l'oubli, la ghalb, il a oublié. C'est pour ça que le hadith, il a dit, fanasiya. Tout de suite, le hadith a dit, fanasiya, il a oublié, fanasiya d'Zuriyato. Ses enfants ont oublié. C'est pour ça que, ça c'est une petite parenthèse, beaucoup de gens qui comprennent bien l'arabe, tu lui dis, d'où vient par exemple le mot insan, le mot insan, d'où il est venu? Il se dit, il se base sur ce hadith, il se dit, parce qu'il a oublié. En arabe, nasiya, il a oublié, donc insan, donc à personne, ça s'appelle personne, donc le mot personne, insan, l'être humain, est venu de, du verbe nasiya, il a oublié. Nous on dit, c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai, ça c'est le ce que disent les awam, hein, ce que disait ma grand-mère, la yahama. Mais les ulama sira, ils disent pas cela, ils disent, le insan, insan, le mot insan, c'est venu du verbe anasa. Anasa, ça veut dire voir, voir. Quand tu vois quelque chose, tu dis anasto, j'ai vu. Moussa alayhi salam a dit dans le Coran, inni anasto naran, inni anasto naran, j'ai vu un feu, et attendez-moi, j'aille voir ce qu'il y a là-bas dans le feu. C'est pour ça que, à chaque fois qu'il y a le mot a, les lettres, alif, nun, sin, anasa, c'est de la vision, ça vient de la vision. Donc, l'être humain, pourquoi a été appelé insan? Parce qu'on le voit. On le voit. Et, donc, contrairement à qui? Contrairement aux djinns qu'on ne voit pas. Contrairement aux diables et aux esprits qu'on ne voit pas. Donc, nous, on est appelé insan parce qu'on est visible. Quand tu marches dans la rue, tout le monde te voit. Mais, les esprits, les djinns, etc., tu ne peux pas les voir. Comme a dit l'Azhar dans le Coran, il parle du shaitan. إِنَّهُ يَعْرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. Là je l'ai dit en parlant du shaitan, il se voit lui et son groupe et sa famille etc. sans que tu puisses, sans que vous puissiez les voir vous. Moi maintenant je suis en train de vous faire le dash assez. Peut-être il y a 10 ou 20 qui sont ici dans la chambre, je ne sais pas. Quoique ils n'aiment pas ces choses-là, ils n'aiment pas entendre des choses pareilles, hein, bien sûr. Mais peut-être c'est plein ici dans la chambre, je ne sais pas. Pourquoi ils ont été appelés djinn à cause de la chose qu'on ne voit pas. Quand en arabe, il y a le alif, nun, sin, anasa, c'est de la vision. Quand il y a les deux lettres, jin et nun, jin, ça veut dire la chose qu'on ne voit pas. C'est pour ça, là, quand il parlait de Ibrahim, il a dit, فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا. Lorsque la nuit est descendue, et l'obscurité, il a vu un kawkab, il a vu une étoile ou là. Il a employé le mot jinn, jinnah. Pourquoi? Parce que la nuit, quand elle descend, l'obscurité, on ne voit plus rien. On ne voit ni arbre, ni maison, ni rien devant nous. À chaque fois qu'il y a djinn, djinn ou nun, ça veut dire quelque chose d'invisible, comme le djinn lui-même, le shaitan, il n'est pas visible. En ce sens, par exemple, le majnoun. Pourquoi on dit celui-là, il est majnoun en arabe? On dit X est fou, majnoun. Remarquez, dans le mot majnoun, il y a le djinn et le nun, qui parlent du contraire, qui veulent dire la chose cachée. Cachée. Djinn ou nun, cachée. Ici, qu'est-ce qui est caché dans le fou? Dans le fou, il y a son cerveau qui est caché. Khalas, il ne sait plus ce qu'il dit. Son cerveau a été caché. Khalas, il dit n'importe quoi. Et le paradis, pourquoi on l'appelle le Jannah? Le Jannah, Jim, Nun, toujours. Pourquoi le Jannah? Parce que les arbres, il y a tellement d'ombre que tout est caché. Des arbres immenses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a un arbre dans le paradis, tu restes 100 ans. 100 ans pour le traverser. Tu commences l'ombre de cet arbre ici et tu marches 100 années à vol d'oiseau. Il a dit à vol d'oiseau, l'oiseau qui vole le plus vite, il va essayer de traverser son ombre, il le fera en 100 ans, un arbre. Alors imaginez combien il y a d'arbres d'ombre dans le paradis, donc c'est tout yani, obscur. Il n'y a pas dans le paradis le soleil qui va te faire yani, mal aux yeux. Il n'y a pas le soleil dans le paradis, il y a un noir. Et pourquoi on dit par exemple Janin? Pourquoi on l'appelle Janin, le bébé, hein? On l'appelle Janin quand il est dans le ventre de la femme. Parce qu'il est caché aussi. Toute chose qui se cache, Jim, Nun. Et toute chose qui se voit, Ins. Maintenant, pour voir où j'étais exactement, Nam. An Abi Darda radiallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a dit, خلق الله آدم حين خلقه, lorsque الله عز وجل a créé Adam, فأخرج ذريته سوداء كأنهم الحمم. Il a fait sortir ses enfants noirs comme du charbon. Yani, du charbon exactement, noir. D'ailleurs, il y a un hadith où dit que les derniers gens qui vont sortir de l'enfer, ils seront comme le charbon, le himam. Ils seront خلاص, brûlés jusqu'à ce que le feu ne trouve plus rien de quoi brûler. Allah Azza wa Jal fera sortir ces personnes et il les enverra vers une fontaine spéciale. Ils doivent se laver là-bas. Lorsqu'ils vont se laver là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Le prophète Aïssalam a dit, ils vont revivre de nouveau, ressusciter, comme une plante. Il a dit, comme une plante qui commence à sortir de la terre. Pourquoi? Parce que là, ceux-là ont été brûlés, ils ont tout perdu, bien sûr, ce ne sont plus des personnes. Donc, ils doivent d'abord se laver sous une fontaine spéciale pour qu'ils puissent avoir la forme d'une personne normale pour rentrer ensuite au paradis. Il a dit, فَأَخْرَجَ ذُرِّيَتَهُ. C'est quoi celui-là? خلق الله آدم حين خلق فضرب كتفه اليمنى. C'est quoi celui-là? Pardon, je ne sais pas où j'étais. نعم. فضرب. سبحان الله العظيم. J'ai sauté une ligne. خلق الله آدم حين خلقه. Lorsque الله عز وجل خلق آدم. نعم. Moi j'ai sauté une ligne. Lorsque الله عز وجل خلق آدم. فضرب كتفه. Il a frappé son épaule. الله عز وجل frappé son épaule. Yumna, l'épaule de Adam droite. Fa akhraja, il a fait sortir dhurriyatan bayda ka'annahum ad-durr. Pardon, il a fait sortir des enfants blancs, c'est pas noir, le noir ça va venir. Il a fait sortir des enfants blancs, il a dit comme des émeraudes. Il a frappé l'épaule de Adam, Allah Azza wa Jalla a frappé l'épaule de Adam, l'épaule droite. Tous ses enfants sont tombés. Il a fait sortir blancs comme des émeraudes. Ensuite, il a frappé son épaule gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a frappé l'épaule gauche, il a fait sortir tous les enfants qui allaient naître, tous les enfants, et il a des noirs comme du charbon. Donc, de l'épaule droite sont tombés ceux qui sont blancs comme les émeraudes, et de l'épaule gauche sont tombés ceux qui sont noirs comme du charbon. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit, pour ceux qui sont tombés de la droite, il est le Jannah ou la Ubali. Vous irez au paradis et gagnez la Ubali. Ensuite, il a dit aux autres, ceux qui sont tombés de la gauche, il a dit, Anna il est Nar ou la Ubali. Ceux-là iront en enfer ou la Ubali. Ils iront en enfer ou la Ubali. Ensuite, Abu Huraira a dit, radiallahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un autre hadith, خلق الله آدم الله عز وجل أكري آدم طوله 60 ذراعا 30 متر de hauteur ثم قال اذهب فسلم على هؤلاء النفر. Ensuite il a dit va, tu vas dire salam alaykum à ces gens qui sont assis là-bas, ce sont les anges. فاستمع ماذا يجيبونك, et écoute ce qu'ils vont te dire. فإنها تحيتك وتحية ذريتك, c'est la façon de saluer pour toi et pour les autres. فقال السلام عليكم, il leur a dit salam alaykum. Faqalu salam alayka wa rahmatullah. Ils ont répondu salam alayka wa rahmatullah. Ils ont ajouté wa rahmatullah. C'est pour ça le prophète alayhi salam a dit fa kullun man yadkhulu al-jannah, quiconque rentrera au paradis à la sourate Adam. Quiconque rentrera au paradis, il doit être comme était Adam exactement, c'est-à-dire avoir 30 mètres de hauteur pour rentrer au paradis. Al fa lam yazal الخلق ينقص حتى الآن. Ensuite, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, depuis ce jour-là, ou puis depuis ce temps-là, où l'homme, l'homme avait un image d'Adam, depuis ce jour-là, l'homme, quand sa mère l'enfantait, il faisait combien? Il faisait 30 mètres de hauteur. C'est pour ça que maintenant on dit, est-ce qu'il y avait ce qu'on appelle l'amalira, les cyclopes, ou là, il n'y en avait pas, etc. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et depuis ce temps-là, la taille diminue jusqu'à nos jours. Elle diminue, elle va diminuer jusqu'à ce qu'elle arrive jusqu'au
de nos jours. Peut-être nous, quand on va mourir des centaines, 200, 300 ans, peut-être que la taille va diminuer encore plus. Allahu alam. Mais regardez maintenant, c'est très rare que vous trouviez par exemple quelqu'un qui dépasse par exemple 2,50 m. Il n'y a pas quelqu'un par exemple qui fait 3 mètres. Et c'est très rare par exemple que quelqu'un dépasse par exemple 120 ans, 120 ans, 130 ans. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: A'maru ummati bayna 60 wa 70, qalil man yujawiz. Il a dit: ma nation, son âge, c'est entre 60 et 70 ans. Et pas beaucoup dépasse les 70. Naam. Quiconque de nous entre dans les 60, qu'il mette ce hadith entre ses yeux et qu'il dise: peut-être qu'il me reste seulement 10 ans. Parce que le prophète a dit, la plupart entre 60 et 70, il a dit, sont rares qui dépassent. Donc, quiconque a 72, 75, 80, ça veut dire il est ceux des rares qui ont dépassé. Sinon, la base, c'est de toujours 60, 70. C'est à peu près, je ne sais pas si cet exemple marche, c'est à peu près, c'est à peu près comme le match. Quand tu vas jouer un match, tu rentres avec l'idée que c'est, je ne sais pas exactement combien, 1h45 ou 1h30, ou c'est une année internationale. C'est par exemple 1h40 ou 1h30. Ensuite, peut-être qu'il y a le temps mort, peut-être qu'on va jouer les pénalties, je ne sais pas. Mais tu te mets dans la tête, tu vas jouer 1h30 ou 1h35. Tu ne vas pas dire il y a le temps mort. La même chose ici, quand tu arrives à 60, dis-toi peut-être qu'il termine à 70. Maintenant, suivi après, demande à Allah Azzawajal, l'année, qu'il t'aide pour être pieux, etc. Parce que plus en vue, car le prophète a dit dans un hadith sahih, il a dit, Allah Azzawajal, s'il veut que quelqu'un lui bien, il lui allonge la robe, l'année, il lui ouvre les portes du bien, etc. Pourquoi? Pour qu'il vive pieux, etc. Parce que si Allah Azzawajal ne veut pas quelqu'un du bien, il le laisse beaucoup vivre pour remplir de péchés, pour se remplir, faire des montagnes de péchés. Mais si quelqu'un a vécu beaucoup, par exemple 80 ans ou là, toute sa vie, prière et jeûne et masha'Allah, celui-là, il aura un grand, grand ajr chez Allah subhanahu wa ta'ala, au point où il y a un hadith sahih, je ne l'ai pas devant moi, je l'ai lu, ça fait pas longtemps, peut-être 15 ou 20 ans, chez Cheikh Al-Albani, rahmatullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y a un débat. Il y a un débat. Naam, jazakallahu khair. Barakallahu fik, j'arrête. La prochaine fois, écris-moi en plein cours. Barakallahu fik. Donc, il y a un hadith sahih où il y dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a quelqu'un qui est mort, shahid. Connaissez quelqu'un dans la guerre sainte. C'est un hadith authentifié par l'Albani. Quand quelqu'un meurt en pleine guerre sainte, ça s'appelle un shahid. Un shahid, hein, ça vient juste après l'Anbiya ou Salihin, ensuite Shuhada. Et il y a quelqu'un qui n'est pas mort shahid, mais qui l'a vécu beaucoup. Il a vécu peut-être 100, 150, je ne sais pas combien. Allah Azzawajal, lorsqu'il a fait rentrer le shahid au paradis, il a fait le martyr. Naam. Allah Azzawajal, lorsqu'il a fait rentrer le martyr au paradis, et il a fait rentrer le deuxième, qui n'est pas mort martyr, mais il a vécu longtemps, il l'a placé plus haut que le martyr. Le martyr s'est étonné, subhanallah al-adhim. Il a même demandé à Allah subhanahu wa ta'ala: Ya Allah, ne suis-je pas mort martyr? Celui-là, il n'est pas mort martyr. Je lui ai demandé, il n'est pas mort martyr. Là, je lui ai dit: celui-là, n'a-t-il pas vécu après toi tant et tant d'années? Il a dit si. Il lui a dit: alors, quand il a vécu après toi, par exemple, 40 ans, ou la 20, ou la 30, ou là, n'a-t-il pas fait tel nombre de prières plus que toi? Il a dit si. Il a dit donc, c'est pour ça que je l'ai élevé encore plus. Parce que quand on vit encore plus, 20, 40 ans, imaginez combien tu fais de prières, combien tu dis Allah, combien tu dis Allahu Akbar, combien tu donnes d'argent aux gens, combien tu fais de bien. Donc, ça, c'est pour montrer que ceux qui vivent beaucoup, ils vivent dans la piété, alhamdoulillah. Mais quiconque vit beaucoup, mais il vit égaré, Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. J'arrête ici, inshallah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله on se rencontre dans 10 minutes exactement pour des questions ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت أخينا الكريم. شكرا. نعم. سكينة 32 تفضلي. أخي عبد العزيز, tu lui dis, صح, tu as dit à Sakina à toi, mais tu as oublié d'enlever le point rouge, أخي. Inch'Allah, à toi, صح, tu lui enlèves le point rouge pour qu'elle puisse coller, فهمت؟ نعم. Et tu lui donnes le point rouge quand elle termine pour laisser la place aux autres. Peut-être elle va oublier ça, main tendue comme ça. نعم. Je ne sais pas pourquoi Sakina est descendue en bas. Sakina, c'est à toi pour ta femme va aller colle la question. Barakallahu fik, colle la question. طيب, خير إن شاء الله. أم عليا تفضلي. أم عليا لو تونك سكينة يكريف. أم عليا تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. Non, on ne lit pas. On ne lit pas les questions. Sakina me demande si je lis la question. Je ne la lis pas parce qu'elle n'est pas affichée. Elle n'est pas affichée. Oum Ali, alaykoum salam, wa rahmatullah wa barakatuh. Quand vous avez dit, quand Adam a dit, alhamdoulilah, vous avez dit que c'est de nature qu'il a dit cela, est-ce qu'il y a différents avis? Je ne connais pas les avis des ulama dans ce que j'ai dit. Je voulais dire par cela que, yani Allah Azza wa Jal, je ne connais pas un hadith qui lui a dit ou lui a dit dit ceci, mais je connais le hadith que lorsqu'il a dit ceci, Allah Azza wa Jal, il lui a dit Yarhamukallah, il lui a répondu, il lui a dit Yarhamukallah, mais je ne connais pas un hadith, j'ai jamais lu un hadith où il est dit que juste il a éternué, Allah Azza wa Jal lui a dit Alhamdulillah, ensuite il lui a répondu Yarhamukallah. C'est pour ça que j'ai dit cela. Si quelqu'un inshallah ta'ala cherche et trouve ce hadith, ce sera inshallah ta'ala un plaisir qu'on le sache pour l'ajouter inshallah ta'ala. J'ai lu que ce sont les anges qui ont dit de dire dans le livre de Ibn Kathir. Peut-être, je ne sais pas si c'est bon. Je ne sais pas si le hadith est bon, hein. Je ne sais pas, Allah. Essaye inshallah ta'ala de me ramener la prochaine fois hada. De toute façon, moi inshallah, après avoir terminé le dars, inshallah, j'irai voir dans Ibn Kathir qu'est-ce qu'il va dire. Je vais pas aller chez Ibn Kathir, je vais te dire pourquoi. Naam, fiki barakallah, je vais te dire pourquoi je vais pas aller chez Ibn Kathir. Parce que tout simplement, je suis en train de vous lire dans le livre de Ibn Kathir qui est résumé. Ça, le livre d'où je vous lis, c'est le livre de Ibn Kathir qui a été résumé par quelqu'un, un des élèves de Sheikh Al-Albani, et qu'est-ce qu'il a fait dans la sira de Ibn Kathir. Car Ibn Kathir a écrit, comme vous devez le savoir, il a écrit le Bidaya ou Nihaya,
depuis que Adam a créé depuis que Allah a créé Adam jusqu'à la fin, le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, c'est un élève qui s'appelle Salim Hilali. Il a résumé son livre et il n'a laissé que les hadiths sahih. Il n'a laissé que les hadiths sahih. C'est pour ça que s'il y avait quelque chose de fort, sûr, il l'aurait laissé dans ce livre. Donc, inshallah ta'ala, le livre que je lis est un livre de Ibn Kathir. Abu Umulina, tafaddalou. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توا أم لينا et l'autre Elina, l'autre ne l'oublie pas. D'accord, vous avez parlé de la terre pour la création d'Adam عليه السلام. عفوا mais ce n'est pas plutôt de l'argile, الله أعلم. أخينا الكريم, الله عز وجل a fait venir premièrement, a demandé à Jibril de lui faire venir de la terre. Ensuite, à la terre, il a ajouté de l'eau et ça a donné de l'argile. Voilà comment ça s'est passé. Il a commencé par Naam, Jablu Awalan, la terre. Ensuite, l'Azawjal lui a ajouté de l'eau. Hama'in Muslim, il a ajouté de l'eau. Ensuite, ça a donné quoi? Ça a donné de l'argile. Inch'Allah ta'ala. Donc, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de contradiction. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Naam. Barakallahu fi. Naam, ma fi shay. Au contraire, quand quelqu'un demande, il est obligé de demander. Il y a seulement une façon de demander, une façon d'une autre. Il y a celui qui dit comme toi, qui dit ce n'est pas plutôt de l'argile, wallahu alam, et il y a qui dit chef, tu t'es trompé. C'est pas de la terre, c'est de l'argile, tu t'es trompé. Va réétudier. Voilà, il y a deux sortes de gens qui posent des questions. Abdul Rani, ta femme va le voir, slow. Salam alaikum wa rahmatullah. Je voulais vous poser une question sur le cours d'hier, Inch'Allah, parce que je n'ai pas pu poser la question. C'était au sujet de la cautérisation, quand vous avez parlé des quatre choses sur lesquelles les gens qui pourront rentrer au paradis sans jugement, s'il ne faut pas ces quatre choses, et vous avez parlé de la cautérisation par le feu. Et je voulais savoir, il y a une technique en France, en France et ailleurs, pour cautériser qui fait avec une sorte d'appareil électrique. Ils utilisent l'électricité pour cautériser les plaies. Donc je voulais savoir si c'était la même chose. Parce que ça chauffe, ça fait un peu comme le feu. Et j'avais une deuxième question juste sur le cours d'aujourd'hui parce que ça a coupé. J'ai pas entendu quand vous avez parlé du mot insan. Où ça vient de. Comment dire ça veut de sens. Ça veut dire que ça vient de. Du sens du mot qui vient de le fait de voir. Mais moi j'ai entendu aussi que ça venait aussi de oublier. Je voulais savoir si c'est correct ou pas. Barakallahu fik. Bismillah, commençons par la deuxième. En ce qui concerne Insan, j'ai dit et donné des preuves que ça ne vient pas d'oublier. Et c'était du verbe Anasa. Anasa, ça veut dire il a vu. Là, je l'ai dit dans le Coran, Moussa, qu'est-ce qu'il dit, ça veut dire, il a vu. Il a vu, il a dit, restez là, je vais voir ce qui se passe. C'est pour ça que l'homme est appelé insan parce qu'on le voit, et le djinn est appelé djinn parce qu'on ne le voit pas. Chaque chose qui comprend le djinn et non, ça veut dire, ça se voit pas. Le djinn ne se voit pas, et au contraire, ins. Ça se voit. C'est pour ça j'ai dit que le fou en arabe on dit majnoun parce qu'il y a son cerveau qui se voit pas. Et le bébé on dit majnoun, pardon, on dit janin parce qu'il est craché dans le ventre de sa mère. Et le jinnah, elle s'appelle jinnah parce qu'elle est crachée par l'ombre. Voilà tout ce qui est caché. Jinn et tout ce qui est visible, ins. Wallahu ta'ala alam. Ensuite, pour la première question, j'ai dit que il est permis de faire le key, si ça s'appelle la cautérisation, là, comment ça s'appelle, il est permis de le faire, mais de le faire comme, par exemple, si c'est sûr que c'est, il n'y a que lui qui peut, Inch'Allah ta'ala, soigner. S'il n'y a que cette chose qui peut soigner, on l'a fait. Car il y a un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que, shifa,
Shifa, yani la guérison se trouve dans trois choses. Et il a cité entre elles celle-là, yani le feu. Que ce soit avec quelque chose d'électrique ou là, c'est toujours quelque chose qui a un rapport, yani avec la brûlure. Avec la brûlure. Donc, ça se fait. Mais, si on est sûr que cette chose, on a fait l'expérience, c'est là, elle a donné des résultats et qu'il n'y a pas autre chose. Hein, il n'y a pas autre chose qui peut être à sa place. Wallahu ta'ala alam. Yassara tafadhali. Je crois qu'il y a des problèmes avec Yisra. On descend, Inch'Allah, à Salafia, ensuite on monte à Yisra. Et Salafia, bi-idnillah. Tafaddali. Salafiyadi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maghfiratuh. Cheikh, vous avez dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a frappé les peaux droites d'Adam, alayhi salam, tous les enfants blancs sont sortis. Et Allah ta'ala leur a dit qu'ils iraient tous au paradis pour les enfants de couleur noire sortis de l'épaule gauche iront en enfer. Dites-moi si j'ai mal compris. Et donc ma question par rapport aux couleurs citées, les gens de couleur noire qui iront en enfer sont noirs à cause de leur péché ou sont noirs naturellement? Dans ce hadith, Inch'Allah ta'ala, qui est un hadith très important, et un hadith que beaucoup de personnes égarées ont cru que alors, puisqu'Allah Azzawajal a dit cela au paradis et cela en enfer, ensuite il a dit wala ubali, c'est à peu près ça dans ce sens. Enfin, je vous le dis lorsque les gens disent cette chose. C'est pas lorsque Allah l'a dit, parce que Allah l'a dit. C'est pas là le même sens, mais pour vous ayez une idée. Quand quelqu'un dit par exemple, je m'en fous, il dit, je m'en fous. La oubali. Mais par Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pas une chose pareille. Ça a un sens. Allah a dit ici, ceux-là vont aller au paradis. La oubali, ceux-là vont aller en enfer. La oubali. Ça veut pas dire que, comme ont cru certains gens, que donc, c'est faux là. Hein? C'est faux là, ça veut dire que. Je vais dire comment ça veut dire. Faux là. Ça veut dire que. Disons, c'est un hasard. C'est un hasard. Celui qui est tombé de l'épaule droite, alhamdoulilah. Celui qui est tombé de l'épaule gauche, il ira en enfer au clash. Non. Je disais que. Allah Azza wa Jal, avant de nous créer, savait tout ce qu'on allait faire et savait qui de nous allait faire le bien pour aller au paradis et qui de nous allait faire le mal pour aller en enfer. Donc nous, là, avant de nous créer,
avant de nous créer, il savait où on allait partir et ce qu'on allait faire. C'est pour ça qu'il a écrit sur le tableau préservé de Lawh al-Mahfouz. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit ce que nous allions faire. C'est pas ce qu'il nous a forcé de faire. Donc, l'Azawajal a fait de sorte que, puisqu'il sait, il sait ceux qui vont partir en enfer, ceux qui vont partir au paradis. Il a fait de sorte que ceux qui vont partir en enfer, il les connaît très bien, il les a mis du côté de l'épaule gauche. Et les autres, il les a mis de l'épaule droite. Quand ils sont tombés de l'épaule droite, tout blanc. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vont partir au paradis. Mais il est blanc, ce n'est pas parce qu'il est blanc de peau. Il se peut qu'un quelqu'un de nègre aille au paradis. Et il se peut quelqu'un de blanc, un blanc, cheveux blancs, aux yeux bleus, qui va aller en enfer. Non, c'est pas cela. Blanc, yani, parce que ils ont, yani, la chose blanche, parce qu'ils étaient en émeraude. Quelque chose qui est en émeraude, elle est belle, elle est blanche, parce que, inshallah ta'ala, ils vont partir en quoi? Ils vont partir au paradis. Et les autres qui sont, là, je vous ai fait descendre au noir, sont tombés noirs, qu'est-ce que ceux-là ils vont faire? Cela, ça ne veut pas dire que parce qu'il est noir, parce qu'il va partir en enfer, non, il est noir parce que c'est quelqu'un de voué, aller en enfer, car là, je vous savais qu'il allait vivre, il n'allait pas croire, il allait être un mécréant, etc. Il a fait descendre de l'épaule gauche, il a fait descendre au noir. C'est tout, naam. Mais attention, jamais Allah Azza wa Jal n'est injuste. Jamais Allah Azza wa Jal n'est injuste. Allah Azza wa Jal, je l'ai dit une fois, peut-être que je le répète, parce qu'il n'y avait pas des gens qui étaient avec nous là, je vais le répéter, inshallah ta'ala. C'est quelque chose d'important. C'est très simple. Si on comprend cela, on comprend que là, on a bien compris la chose avec l'aqida. En ce qui concerne toutes les créatures, donc parlons maintenant des êtres humains, parce que les animaux, il n'y a pas de paradis à en faire, parlons des êtres. Exact, parce que moi je comprends. Non, tous les êtres humains que Allah a créés, si Allah avait voulu, le temps de la création, s'il avait voulu, qu'est-ce qu'il aurait fait de l'Azawajal? Il nous aurait créés directement, par exemple âgés, tous on a 20 ans, direct créés, et c'est pas la peine de descendre sur terre. Tu es créé direct en haut, et celui-là, il lui dit, toi en enfer, toi au paradis, toi en enfer, toi au paradis, toi en enfer, toi. Parce que, il sait que, lorsqu'il va nous faire descendre, celui-là croira, il ira au paradis, celui-là va être mécréant, il va aller en enfer. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas voulu nous juger d'après son ilm, d'après sa science sur nous. Non, pourquoi? Mais il a voulu nous juger d'après nous ce qu'on a fait. Pourquoi? C'est très simple. Parce que s'il nous avait jugé d'après sa science, il aurait dit toi au paradis, toi en enfer, sans qu'il nous fasse descendre sur terre, on aurait tous nié. Quiconque lui dirait toi en enfer, il lui dit non, ya Allah, j'accepte pas. Il lui dit là, pourquoi tu n'acceptes pas? Il lui dit parce que je ne serais pas été mécréant si tu m'avais fait descendre. Si tu m'avais fait descendre, je ne serais pas sorti de la mosquée. Si tu m'avais descendre, tout mon argent, je l'aurais donné à Billah. Tout mon temps, c'est la prière. Donc c'est pour ça que Allah Azza wa Jal n'aime pas que quelqu'un ait un argument sur lui. Alors là, je vais dire, alas, descendez et vous allez voir après. Je vous montrerai, je vous jugerai, vous allez voir ce que vous allez faire. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal nous a descendu, etc. Sinon, Allah Azza wa Jal, avant de te descendre, il sait exactement ce que tu vas faire et où tu vas aller. Et il a écrit tout dans le tableau préservé, ce qu'on allait faire. Voilà comment il faut comprendre ce que Allah Azza wa Jal a écrit sur le tableau préservé. Ça veut pas dire qu'il nous a forcé, mais il a écrit ce qu'il savait qu'on allait faire et qu'on devait le faire. On devait le faire parce qu'il le savait. Il savait que voilà ce qu'on devait faire. Wallahu ta'ala alam. Si vous n'avez pas compris, inshallah ta'ala, je vous répète, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. كيف بارك الله مسلم كولا تفضل.
Muslim Kola a dit, Salamu alaikum, cher. Quelqu'un qui a été éduqué dans le christianisme a demandé la chose suivante. Selon la Bible, Adam avait deux fils, Abel et Caïn. Ils ont fait un sacrifice pour Allah. Pourquoi le sacrifice ne paraît être accepté par celui de Caïn? Je ferai, Inch'Allah, écouter votre réponse à cette personne qui se présente et ne pratique pas. D'accord, je vais te rendre la réponse, Inch'Allah ta'ala. Oui, Caïn, un souci, pour la question. Non, mais pas de problème, Inch'Allah. J'aimerais la faire entendre, la faire entrer Bidna dans l'islam, Barakallahu fik, Cheikh, que Allah vous récompense. Jazakallahu khayran. Subhanallah, ce dars, où il est parlé de Adam alayhi salam et ses deux fils, c'était normalement le dars d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ça allait venir dans, yani, si je ne m'étais pas arrêté, j'allais rentrer dans cela, Inch'Allah ta'ala. Mais je me suis arrêté, pourquoi? Parce que le temps, yani, ne me le permet plus. Sinon, si j'avais continué, je serais rentré directement dans cette histoire. Je voudrais te dire très vite, Inch'Allah ta'ala, que Qabil Wahhabid, on les appelle Qabil Wahhabid, d'abord je voudrais que la première correction, c'est qu'il n'y a rien, ni dans le Coran, ni dans le Hadith Sahih, qui disent qu'ils s'appelaient ainsi. Nous, les musulmans, on n'a rien qui nous dit qu'ils s'appelaient ainsi, ni dans le Coran, ni dans le Hadith Sahih. Mais la plupart des gens et des ulama isra disent Habil wa Qabil. Qabil wa Habil. L'un d'eux était agriculteur et l'autre il avait des moutons. Allah Azzawajal leur a demandé de faire korban, de faire un sacrifice. L'un d'eux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi les meilleurs, par exemple de ce qu'il avait de sa terre, il a choisi les meilleurs et il en a fait sacrifice pour Allah Azzawajal. L'autre qui avait des moutons, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris tout ce qu'il avait de mauvais. Il y a par exemple un mouton qui allait mourir, ou là un mouton qui marchait, a des difficultés de marcher, ou là malade, celui-là, il a sacrifié pour Allah Azza wa Jal. L'autre, le premier, avait pris tout ce qu'il avait de mieux, le meilleur blé, le meilleur, tout ce qu'il a, yani tout ce que la terre a fait sortir de mieux. Donc Allah Azza wa Jal a accepté de qui? A accepté de celui qui donne à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il aime. C'est pas il donne à Allah subhanahu wa ta'ala le reste. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran, c'est pas lorsque vous voulez faire l'aumône ou bien donner à qui? Donner aux pauvres quelque chose, hein, comme font beaucoup de gens, ils cherchent la chose dont ils n'ont plus besoin, ils la donnent. Ce qu'on appelle nous, on dit, ils s'en débarrassent. Au lieu de les jeter dans la poubelle, ils les donnent au miskin. Ça, c'est pas ça ce que veut Allah Azza wa Jalla. Ça ne fait rien, donne-lui, ne jette pas la poubelle. Mais Allah Azza wa Jalla veut, comme il a dit dans le Coran, لَنْ تَنَلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Jamais vous ne serez pieux jusqu'à ce que vous donneriez de la chose que vous aimez. Et remarquez, Allah Azza wa Jalla n'a pas dit donnez ce que vous aimez. Tu ne donnes pas ce que tu aimes et tu restes comme ça, le cœur yani serré. Non, tu donnes de ce que tu aimes. Tu donnes un peu de la chose que tu aimes. Allah ne t'a pas dit donne tout. Là, donne seulement au pauvre ou à celui qui fait le monde de la chose que tu aimes. Donc si tu donnes comme ça, Allah Azza wa Jal acceptera. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Il a dit, Allah Azza wa Jal acceptera de ceux qui sont pieux. Et celui qui va donner le mouton malade et ça, celui-là il n'est pas un pieux. C'était un vrai pieux, il aurait donné de la chose qu'il aimait. Et non pas, il aurait donné la chose laquelle peut-être lui, si on la lui donne, il ne l'accepte pas. Comme ça c'est dit aussi dans un Coran. Il y a un autre verset qui est dans ce sens. Dans le Coran, il est dit que pourquoi vous donnez, pardon, je vais le dire d'abord en arabe, « Ya ayyuha alladhina amanu, anfiqou min tayyibati ma kasabtum. » Oh vous, les croyants, donnez des choses belles et bonnes que vous avez. Yani, faites le monde des choses belles et bonnes que vous avez. « Wa mimma takhrijna lakum min ard. » Et de ce qu'on a fait sortir de la terre. Et regardez maintenant ce qu'il a dit dans le Coran. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِينَ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Subhanallah al-Azim. Qu'est-ce qu'il a dit, l'Azza wa Jal? Et ne cherchez pas la mauvaise chose, le khabith, pour la donner. Hein? Vous faites de l'aumône, de la chose qui n'est pas bien,
Alors que vous, alors que vous, si on vous donnait cette chose, vous ne l'auriez pas prise. Allah, pourquoi? Toi, quand on te donne la chose, tu ne la prends pas. Et toi, quand tu veux faire le monde, tu fais avec cette chose. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه? N'a-t-il pas dit que personne de vous ne sera croyant, un vrai croyant, que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui? Alors qu'en est-il pour Allah? Qu'en est-il pour Allah? Voilà la réponse, Inch'Allah ta'ala, Wallahu ta'ala a'lam. Le but de la vie, tfaddal barakallahu fik. فيك بارك الله. السلام عليكم. Est-ce que Allah nous a déjà écrit des choses qui qu'on va inévitablement faire ou pas? Barakallahu fik. J'ai pas bien compris la question. Est-ce que Allah Azza wa Jal nous a déjà écrit des choses qu'on va inévitablement faire ou pas? Je ne sais pas ce que tu veux dire par écrit. Tu parles de l'écriture universelle ou la juridique? Tu parles de quelle écriture? Universelle ou juridique? Réponds-moi d'abord à cette question. Le but de la vie, tu parles de quelle écriture? Universelle ou la juridique? Bon, je vais te répondre. Universelle. Sauf, Allah Azza wa Jal a tout écrit sur le tableau préservé. Des choses que tu feras toi et des choses qui vont t'arriver. Il a écrit que tu vas mourir. Il a écrit que tu vas tomber malade. Il a écrit que tel jour, il y a un pot de plantes qui va tomber sur ta tête du cinquième étage. Il a écrit ça, pas sur toi, le but de la vie, hein. Je parle en général, Inch'Allah, il ne tombe rien sur ta tête. Hein? Tous, il y a une abeille qui va, quel jour, naam, une abeille, pardon, le but de la vie, je plaisante, une abeille qui va tel jour, à telle minute, à tel endroit, te piquer, elle est écrite. Telle abeille, à tel jour, à telle minute, à telle seconde, dans l'endroit X, sous l'arbre X, va piquer le but de la vie. Pas piquer une personne, cela tout est écrit sur le tableau préservé bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu as une autre question, Inch'Allah? Est-ce que c'est clair, je veux dire? Est-ce que c'est clair ou là c'était pas la réponse que tu voulais? Fika barakallah. Abu Mu'ad Faron de Tafaddal. Salam alaikum wa rahmatullah. Cheikh, est-ce que vous m'entendez? Salam alaikum, Cheikh, est-ce que vous m'entendez? Barakallahu fik. Cheikh, donc nous savons que il y a quelques cours de cela, vous nous avez dit que les anges sont meilleurs que les hommes. Vous nous avez dit donc que les anges sont meilleurs que les hommes. Et moi je voulais savoir en fait, est-ce qu'il y en a d'autres qui m'entendent, Cheikh, vous m'entendez? Barakallahu fikoum, Cheikh. Donc je vous disais qu'il y a quelques cours de cela, vous nous avez dit que les hommes, les anges rafouan sont meilleurs que les hommes. Et donc je voulais savoir par rapport au voyage nocturne. Nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué le voyage, une ascension dans le ciel en compagnie de Jibril alayhi salam, et qu'arrivé à une certaine limite, donc Jibril s'est arrêté alayhi salam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué. Jibril a dit au prophète, wallahu a'lam, si je continue, je me consume. Si je continue, donc je brûle. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer déjà, Shir, ce que je viens de dire? Et si vous le confirmez, est-ce que ceci est un dalil, Shir, qui nous prouve que malgré que les anges sont meilleurs que les hommes, le prophète, alayhi salam, est meilleur donc que les anges? Barakallahu fik, Shir, pour votre réponse. Excusez-moi du temps que je vous ai pris. Salam alaikum wa rahmatullah.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barak. Abou Mouad, il m'est arrivé ton email qui parle de l'alcool et ce que tu avais dit. Je commencerai par te répondre de ce qui m'est arrivé à des mails. D'abord, je dirais que tous les élèves qui m'ont envoyé leur devoir sur au solfège, il m'est arrivé, il y en a beaucoup, m'ont arrivé l'yom, Inch'Allah ta'ala. Seulement, je n'ai pas encore corrigé. En ce qui concerne Hadith à l'alcool, Hadith, même les ulama qui ont dit on n'utilise pas, on dit à condition qu'il dépasse beaucoup, il dépasse 70%, 80%. C'est pour ça que moi, par exemple, personnellement, je suis resté 20 ou 25 ans sans jamais mettre de parfum. Pourquoi? Parce que autrefois, j'avais entendu Cheikh Al-Albani dire que ce n'était pas permis. Ensuite, on a demandé aux spécialistes et ils ont dit que l'alcool qui se trouve dans le parfum, ce n'est pas l'alcool qui saoule. C'est une sorte d'alcool spécial juste pour que le parfum donne un parfum. Si on ne met pas cela, aucun parfum ne donnerait d'odeur qu'une seconde ou deux. Mais quand on met cette sorte d'alcool, ça permet au parfum de beaucoup rester et qu'elle n'a rien à voir avec l'autre alcool. Wallahu ta'ala alam. En ce qui concerne les anges, Inch'Allah ta'ala, je n'ai jamais dit que les anges sont mieux que les hommes. Mais ce que j'ai dit, c'est que les ulama, quand ils ont cherché dans ce problème, ça a posé beaucoup de. Ça a fait un grand débat entre les ulama. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit, le plus juste, pardon, c'est de dire que eux, ils sont mieux que nous, ici dans ce monde. Parce que, ils sont, alhamdoulilah, ils ne font aucun péché. Ils ne connaissent ni l'alcool, ni les femmes, ni rien, aucun péché. Ils ne connaissent que, subhanallah, alhamdoulilah, sans jamais être fatigués. Mais que le jour du jugement dernier, on sera mieux qu'eux. On sera, car ce sont eux qui vont nous servir au paradis. Il y a beaucoup de dalils que on est mieux qu'eux. Si quelqu'un va dire, mais le Coran, dans le Coran, la femme ou bien les femmes, lorsqu'elles ont vu Youssouf, alayhi salam, n'ont-elles pas dit dans le Coran, ma hada basharun, in hada illa malakun karim. Elles se sont étonnées, elles ont dit, subhanallah. Ce n'est pas un homme tellement il est beau. Ça doit être un ange. Donc l'ange est mieux. Voilà. Ceux qui ont dit cela, Cheikh Islam a dit, non. Quand elles ont dit que cela, la femme, là, les femmes qui ont dit cela, les femmes elles-mêmes se sont trompées. Les femmes elles-mêmes se sont trompées quand elles avaient cru que l'ange était mieux que qui? Était mieux que l'être humain. Et Cheikh Islam ici a dit, c'est exactement comme Iblis, comme Shaitan, lorsqu'il s'est trompé. Lorsqu'il a cru qu'il était mieux, il est mieux que qui? Mieux que l'être humain. Wallahu ta'ala a'lam. En ce qui concerne une sœur qui m'avait demandé hier la question si elle pouvait donner de l'argent à une association, zakat, elle donne la zakat à une association. Je croyais que le livre, je lui ai dit, je te réponds aujourd'hui, je croyais que le livre était avec moi. Ensuite, je trouve que le livre n'est pas avec moi. Le livre de Cheikh Ibn Wathaymin, rahmatullah, qui parle de la zakat. Mais je lui dirai que si elle donne à une association, si cet argent reste chez l'association, à elle, l'association, pour acheter des micros, des armoires, etc., cela n'est pas valable. Mais si elle donne à l'association, car l'association, c'est elle qui le donne, c'est elle qui fait sortir la zakat, dans ce sens, Inch'Allah ta'ala, c'est possible. Pourquoi? Parce que l'association ici, c'est wakil, c'est tout. Wakil, c'est quand tu donnes à quelqu'un, tu lui dis, va donner la zakat aux pauvres. Maintenant, tu vas à l'association, tu dis, moi, je ne connais pas les pauvres. Cette association, je sais qu'elle, c'est elle qui donne la zakat à ma place. Si tu connais l'association, tu sais qu'elle donne à ta place, tu donnes. Des fois, chez nous, ici, par exemple, au Koweït, c'est écrit, tu passes comme ça, tu lis dehors, association X, yani, donnez-nous vos zakat. Pourquoi? Cette association, elle donne la zakat aux pauvres. Si tu sais que c'est pour elle, elle va prendre pour elle l'argent, tu ne donnes pas, Inch'Allah ta'ala. Abou Mouaz, je voudrais te laisser, il y a beaucoup de gens après toi. Smahli, barakallahu fik. Tu es toujours avec nous, Inch'Allah ta'ala. On continuera, Inch'Allah ta'ala, demain. Muhajir Madina, tafadhal, barakallahu fik. تفضل مهاجر.
مهاجر مدينة جاتهم تفضل. Il y a un salon qui s'appelle La Voix Claire, nuit comme deux jours, dans le conférencier se dit Talib Ilm de Riyad et il zaki à tout ce qu'il écoute. J'ai pas compris ce que ça veut dire et il zaki à tout ce qu'il écoute. J'ai pas compris cette phrase. Ah, naam. Ah. Naam. Notre frère ici, Mouhajir Medina, il dit qu'il y a un salon qui s'appelle La Voix Claire, nuit comme deux jours. Nuit comme deux jours. Il a dit que celui qui fait cette conférence, hein, il parle de Salman Aouda, etc. Il dit que ce sont des gens bien, etc. etc. Si ce que notre frère a dit est vrai, mais là, tous ceux qui écoutent, là, tous ceux qui écoutent. Je dis, si ce que notre frère a dit, c'est une salle qu'il faut pas rentrer. C'est une salle qu'il faut pas rentrer, ou rentrer des gens, n'âme, ou vous rentrez chez des gens qui vous apprennent quoi? Qui vous apprennent, yani, à être contre le gouvernant, n'âme, des salles qui vous apprennent à être contre le gouvernant, et des salles qui vous poussent à, yani, faire les fitnes. Les fitnes, cela, la zone nous a pas dit, franchement. Et il fait la tazkiya, il zaki Salman al-Aouda. Naam, il zaki Salman al-Aouda, Salman qui, yani, a fait beaucoup de mashakil au grand ulama. Il a eu beaucoup de mashakil avec les grands ulama en Arabie Saoudite. Naam, comme Cheikh Ben Baz et les autres, on fait tous des mises en garde contre cela. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne marchent pas sur le hadith du salaf, radiallahu ta'ala, salaf. Mais ils marchent, yani, comme font les frères musulmans et les autres. Ceux-là, il faut, inshallah ta'ala, mettre en garde contre eux. Inshallah ta'ala, et ça viendra, inshallah, dans le minhaj, inshallah, quand on va, inshallah ta'ala, faire des durous sur le minhaj. Wallahu ta'ala a'lam, jazakallahu khayran. Tafadhali Sakina. Salam alaykoum, je peux vous expliquer quelle est la différence entre dire paix sur toi et que la paix sur toi. D'après Hadith par Abu Daoud, il me dit au prophète alayhi sallam interdit de dire paix sur toi. Premièrement, Sakina, je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire en arabe à peu près, qu'est-ce que ça donne en arabe paix sur toi. Yani, attends, paix sur toi, salam alaykoum, et que la paix sur toi. Yani, paix sur toi, c'est comment en arabe? La paix sur toi, salam alaykoum. Et paix sur toi, c'est quoi? Moi non plus, je crois. C'est Akhi, salam. On peut dire en arabe, salam alaykoum. On peut dire. Ça se dit. Salam alaykoum. Ça se dit. Ça se trouve dans le Bukhari. Beaucoup de hadiths. Salam alaykoum. Et l'autre, il répond, wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Je ne sais pas exactement ce que tu veux dire. Inch'Allah ta'ala, le temps que tu formules, je donne à un autre, inshallah ta'ala. Muslim Omar, tafadhal.
Salam alaykoum. Alaykoum salam. Ma question sur la ruqya. À partir de quand pouvons-nous décider de faire la ruqya? Et pouvez-vous nous raconter un peu votre expérience dans ce domaine, barakallahu fik? Dans ce domaine, d'abord, à partir de quand pouvons-nous décider de faire la ruqya? Il y a une personne qui a mis Dali pour dire qu'il ne fallait pas répondre alayka salam. Et comme je parle arabe, je ne sais pas. Non, c'est pas vrai. Celui qui a apporté le délit pour dire qu'on ne répond pas alayka salam, il s'est trompé. Celui-là, il s'est trompé. Parce que j'ai fait même une recherche sur cela. Il y a beaucoup de hadiths où tu dis alayka salam. Le premier hadith dit à cette personne que le premier hadith, c'est dans le Bukhari, où l'homme s'est beaucoup trompé dans la prière, celui qu'on appelle le Moussi ou fi salatihi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Trois fois, il lui dit, reviens, fais la salat, reviens, c'est pas comme ça. À chaque fois qu'il faisait, il disait au prophète, assalamu alaikum, assalamu alaik, et le prophète, il lui répondait, wa alaik assalam. C'est noté ça, Ibn Hajj l'a noté dans le Bukhari, lorsqu'il a expliqué le Bukhari. Aïcha radiallahu ta'ala anha, lorsqu'il est rentré chez lui, son neveu, il a dit alayki salam. Les anges ont dit au Adam alayhi salam, alayki salam, wa rahmatullah. Et beaucoup, beaucoup. J'ai fait une recherche sur celle-là, j'ai pas maintenant les hadiths dans ma tête, mais celui qui a dit ça, il s'est trompé, inshallah ta'ala. Et je voulais dire, c'est ce qu'il a dit notre frère. À partir de quand on peut faire la ruqya? On fait la ruqya, il n'y a pas d'âge. Quand quelqu'un est malade, on lui fait la ruqya. Il n'y a pas d'âge. Où on dit que quelqu'un est malade, on lui fait la ruqya. Quand on sait que ce n'est pas quelque chose de médecine, il reste quoi? Il reste la ruqya. Parce que la médecine n'a rien à voir avec la ruqya. Il se peut que quelqu'un soit un grand professeur, il faut que... Non, les symptômes, ça, j'ai pas compris. Quand... Pardon, je vais lire une chose. Non, alors tu as raison, Osmak. Abdelaziz, tu as raison, c'est moi qui me suis trompé. J'ai dit que... Pardon, qu'est-ce que je voulais dire? Non, quand on sait que la maladie, on est allé au médecin, il n'y a rien. On est allé faire les analyses, on n'a rien. On est allé n'importe où, il n'y a rien. Les médecins disent que c'est normal, il n'y a rien. Celui-là, il va essayer du côté de la ruqya, que beaucoup de gens ne font pas. Peut-être que la chose est venue de... ce côté-là, car si une chose, des fois des choses, ça a rapport avec la ruqya, ça n'a rien à voir avec le médecin. Et des fois c'est le contraire. Des fois c'est une chose de médecine et ça n'a rien à voir avec la ruqya. Je donne un exemple, par exemple très simple. Si quelqu'un, par exemple, il va enlever quelque chose ou la faire une opération, ça c'est pas la ruqya. C'est qui? C'est le médecin. Mais si c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, etc., il tombe beaucoup, il s'évanouit. C'est pour ça qu'il doit connaître les symptômes de la ruqya. Les symptômes de la ruqya, c'est quoi, par exemple? Ça dépend. Est-ce que c'est un djinn ou bien c'est la sorcellerie? Si c'est la sorcellerie, est-ce que c'est la sorcellerie faite par une personne ou la faite aussi par le diable? Ceux qui baillent beaucoup, ils ne s'arrêtent pas de bailler. Ceux qui ont tout le temps des maux de ventre. Tout le temps, il a essayé plusieurs médicaments, ça n'a rien. Des fois on est touché, des fois on est habité. Des fois on est touché. Les ulama ont dit, il y a peut-être 10 symptômes qui montrent que quelqu'un, il a ou bien du sihr, ou bien il a le djinn. Au moins 10 à peu près. Chaque maladie, chaque sorte a ses symptômes. Mais le musulman ne doit pas beaucoup se faire de ouswes et de dire pour chaque chose peut-être je suis touché ou là j'ai la rate. Pour être sûr, il s'en est fait la ruqya pour être sûr. S'il ne trouve rien, inshallah ta'ala, il continue avec les médicaments. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez très vite. Certains gens, ou là beaucoup, ont des fois le djinn hada, ils ne savent pas. Une fois, j'ai été faire la ruqya à quelqu'un qui était malade. On dit que peut-être il avait un djinn. Quand il est rentré, il s'est assis. Quand je suis rentré, pardon, il est venu. On l'a fait venir à la pièce, il s'est assis.
Sa mère aussi est venue s'asseoir avec nous. Elle racontait, mon fils avait ceci, avait cela, il est malade. On pense qu'il a un djinn, il tombe, etc. Il s'évanouit. Inch'Allah. Quand j'ai commencé à lire 5 minutes, 10 minutes, alors que sa mère, qui elle disait de lui qu'il avait un djinn, alors qu'elle commence à crier de toutes ses forces. Elle voulait même se tirer les cheveux. Et ensuite, elle s'est évanouie. Ensuite, c'est le djinn qui était chez elle et pas chez lui. Et elle, il faisait des mashakil, des problèmes à son fils. Alors, des fois, son fils, quand il va ailleurs, par exemple, son fils, si on me l'avait emmené dans ma maison, je n'aurais rien trouvé. Je l'aurais dit, celui-là, j'ai lu, il n'a rien. Ça s'appelle un mess. Il a une masse. Il avait une masse avec qui? Avec sa mère. Donc, l'essentiel se trouvait chez sa mère et pas chez lui. C'est pour ça que certains ne trouvent pas de djinn. Ils disent, celui-là, il est normal. Il est normal. Pourquoi? Parce que sa relation avec sa mère et sa mère, toi, tu l'as pas vu, tu lui as pas lu. Et une autre fois, d'Alger, on est allé en Kabylie, si je n'ai pas oublié à Tizi Ouzou, si je n'ai pas oublié à Tizi Ouzou. Ça fait à peu près les années 81 ou la 82. On est allé à Tizi Ouzou. Pourquoi? Il y avait une femme qui avait son frère qui avait le djinn en France. Chaque année, elle lui dit, écoute, viens ici en Algérie, on te fait la ruqya, inchallah, tu seras guéri. Quand il est venu, donc, je suis parti avec deux ou trois frères, on est parti en Kabylie, on a rencontré cette personne, ensuite sa sœur, elle est rentrée, elle nous a expliqué. Voilà mon frère, chaque année, etc., il est malade, j'ai décidé, afin qu'il vienne, etc., alhamdoulilah, vous êtes venu, inchallah, vous lui faites la ruqya, inchallah, toi, qu'est-ce que tu as? J'ai des mots ici, etc. Ensuite, elle est sortie, je ne sais pas où. Ensuite, on lui a fait la ruqya. Bien sûr, il s'est évanoui. On a trouvé qu'il a fait un djinn. Ensuite, elle, qui en est par curiosité ou là, je ne sais pas, elle s'est approchée pour écouter ce qu'on disait ou là. Ensuite, elle est tombée. Elle s'est évanouie. On a trouvé qu'elle avait, elle, sept djinns. Lui, il avait un djinn et elle en avait sept. Elle, qui, la pauvre, a fait venir son frère de France pour lui faire la ruqya, ne savait pas qu'elle en avait sept. Elle en avait sept. Après, donc il y a beaucoup de gens qui ont les djinnada et qui pourquoi? Car les djinns eux-mêmes sont pas tous les mêmes. Il y a des djinns qui vivent avec les personnes 20, 30, 40 ans sans se manifester. Il est là, il mange, il boit, quand l'homme s'approche de sa femme, la même chose, il est là, heureux, alhamdoulilah, personne ne m'a découvert. Et des fois, quand tu lis à la personne, là, tu lis à une deuxième, il est devant toi, il ne peut pas se retenir. Il essaye, il essaye, il essaye, il ne peut pas, il éclate. Et la personne tombe et va évanouir. Donc ça, c'est très vite, Inch'Allah Ta'ala. C'était quelques expériences, Inch'Allah Ta'ala. Shayma 97, ta femme va aller voir Khalafi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيء ما كتب عندي سات يقول لك الله تعالى a tout écrit nous concernant même notre destination finale dans l'au-delà au paradis ou en enfer. J'ai entendu une fois que la nuit du destin durant le ramadan était faite pour changer les destins. Est-ce vrai? Sinon, qu'est-ce que la nuit du destin durant le ramadan? Est-ce que vous voyez la question? Je l'ai bien vu chauffé. Allah Azza wa Jal, il a beaucoup d'écritures. La première écriture, quand il a créé sur le tableau préservé. La deuxième écriture, quand il a écrit, il a dit aux anges, le quatrième mois, vous rentrez dans le ventre de la femme, vous écrivez quatre choses. Heureux, malheureux, quel âge qu'il va vivre, c'est bien, hein, et
Yani ce qu'il va faire, ce qu'il ne va pas faire. Les quatre choses ont été écrites, c'est la deuxième écriture. Là, Jules écrit une troisième écriture, la nuit du destin. Il écrit aussi une quatrième écriture, le vendredi, les anges qui restent devant la mosquée, les portes de la mosquée, ils écrivent tout ce qui rentre. Ça, c'est pour le montrer à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la quatrième écriture. La cinquième écriture, les deux anges qui sont avec nous, chaque chose qu'on fait, ils écrivent. Donc, ce que tu as dit, toi, est vrai, mais il faut le comprendre d'une autre façon. Comment cela? Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque voudrait que l'Azawajal lui rallonge de sa vie, et s'il veut que l'Azawajal lui étende ses biens, qu'il fasse quoi par exemple? Yassil rahimahu, qu'il aille au proche de sa famille. Hein? Je vais chez mon père, je vais chez ma mère, je vais chez mes frères. Je ne coupe pas la relation avec eux. Donc maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous faites cela, vous gardez la bonne relation avec les proches, Allah Azzawajal va te rallonger, quoi, de ta vie, et va t'étendre tes biens. Comment va-t-il me rallonger de ma vie si c'est écrit en haut sur le tableau préservé que je vais vivre 60 ans? C'est écrit en haut, tout ce qu'on va faire, tout ce qui va arriver, c'est écrit. Donc, sur le tableau préservé, je l'ai dit, il y a un quart d'heure. Alors, comment le hadith dit, si tu gardes une bonne relation avec tes parents, il va te rallonger dans ta vie? La réponse est très simple. Allah Azzawajal, avant d'écrire sur le tableau préservé, avait dit, par exemple, cette personne dont on est en train de parler, je vais lui écrire 50 ans. Mais puisque je sais qu'elle va garder une belle relation avec ses parents, je vais lui en ajouter 10. Et il a écrit directement sur le tableau préservé 60 ans. D'autres ulama ont dit, ce qui est écrit sur le tableau préservé différencie de ce qui est écrit chez les anges. Les anges ont aussi des livres, mais c'est écrit cela. Ils disent, chez les anges, c'est écrit par exemple, cette personne va vivre 50 ans. Chez Allah, c'est écrit 60. Et l'ange, dès qu'il voit que tu gardes une bonne famille et une bonne relation avec tes familles, tu vas tout le temps, etc., il te rallonge. Il écrit et il te rallonge jusqu'à ce qu'il arrive à 60 ans, comme a écrit Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a, inshallah ta'ala, aucune contradiction. Wallahu ta'ala alam, si tu n'as pas bien compris, je te réexplique, inshallah ta'ala. Muslim Kola tafadhal. Maintenant, je viens de lire un petit message qui m'est arrivé. Une sœur dit que l'autre, celle qui parlait du salam, peut-être qu'elle parlait du mort. Naam, certes, ça, c'est vrai, il y a un hadith sahih qui dit que ça, c'est le salam des morts. Ça, c'est le salam, on lui dit, au lieu de dire salam alaykum, on dit alayka salam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Peut-être qu'elle voulait dire cela, Wallahu ta'ala alam. En ce qui concerne Muslim Kola, il a dit salam, salam. Il fallait dire salam ou alayka, au moins alayka. Ou alayka salam. Cher bien que vierge, est-ce que Maryam n'était pas fiancée à Youssef avant la naissance de Issa? Le chrétien qui m'a posé la question prétend aussi, de par sa propre réflexion, que Maryam aurait enfanté Jésus avec Youssef. Pouvez-vous l'éclairer ce point? Je rappelle qu'il a beaucoup lu la Bible, mais il ne pratique pas le christianisme. Vous l'éclairez sur ça, Inch'Allah Ta'ala. Moi, j'ai pas bien lu la question, je la relis. Hein. Muslim, pardon. Bien que vierge, est-ce que Maryam n'était-elle pas fiancée à Youssef avant la naissance de Issa? Le chrétien, dit que Maryam aurait enfanté Jésus avec Youssef. Avec Youssef. Ensuite, en haut, il a dit, elle était fiancée avec Youssef. Qu'il a dit, aurait enfanté Jésus avec Youssef. Là, ça, je n'ai pas bien compris.
Mais je dirais très vite et très clair que cela, bien sûr, n'est pas vrai, comme tout le monde doit savoir cela. Tout le monde sait que Maryam alayhi salam, Maryam, vous pouvez aussi ma question, j'ai compris, désolé, la mission, écoutez, pouvez-vous revenir sur ma question? Inch'Allah ta'ala après. Tout le monde sait que Maryam alayhi salam n'a jamais connu quelqu'un ni fait quelque chose. Allah a voulu faire ce qu'on appelle une mu'jiza. Il a voulu faire ce qu'on appelle une mu'jiza. C'est-à-dire montrer que quoi? Que Allah, quand il veut une chose, il l'a fait, personne ne peut arrêter cette chose. Il veut montrer ici qu'une femme, s'il veut, elle peut enfanter son mari. S'il veut. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, quand on a parlé un jour du azl, ceux qui se rappellent ce que ça veut dire le azl, quand j'ai dit que il était permis en islam d'avoir un miracle. Qu'en islam, il était permis quand quelqu'un faisait le rapport avec sa femme, s'il voulait jeter la chose à l'extérieur, pas à l'intérieur du ventre de la femme, c'était permis. Si c'est pour une raison de, yani, ils veulent pas avoir beaucoup d'enfants, yani, ils veulent faire ce qu'on appelle tandem. Ils veulent que ça soit par exemple un an après un année, etc. Mais avec la permission des deux. J'ai dit avec la permission des deux. C'est pas la femme n'empêche son mari, ou bien lui il veut pas. Et il faut que les deux, Inch'Allah Ta'ala, soient d'accord. J'ai dit qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit planifier les naissances. Naam. C'est pas comme font certains gens, ils ont peur de quoi? Ils ont peur de la faim. Ils vont dire, si on va avoir une troisième personne, on n'a pas de quoi la nourrir, elle va mourir. Et alors, miskin, celui-là, il ne sait pas que peut-être cette troisième personne qui va venir, c'est peut-être elle qui va vous rendre les plus riches du monde. Peut-être que Allah, il ne sait pas que chaque personne qui vient, elle apporte avec elle son risque. Elle apporte avec elle, quoi? Son bien et son risque. Salamu alaykum. Je vais revenir à salamu alaykum. Je disais que... Où en étais-je? Naam. Maryam a accouché de qui? A accouché de Isa, alayhi salam, sans jamais qu'un homme ne l'ait touché. Si seulement elle était fiancée avec quelqu'un, tout le monde aurait dit que celui-là donc c'est son fils. Isa, c'est le fils de X, avec laquelle on l'a vu plusieurs fois. On l'a vu plusieurs fois avec X, donc celui-là c'est qui? Celui-là n'est pas venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, elle marchait déjà avec des hommes. Allah a voulu montrer que une femme qui n'a jamais connu d'homme, qui n'a jamais eu de rapport, il pouvait Allah faire venir un homme d'elle. Un homme d'elle, parce que quand l'homme fait le rapport avec la femme, c'est seulement sebeb, c'est seulement yani, une cause. Ça peut donner, ça ne peut rien donner. Ça ne peut rien donner si Allah ne le veut pas. C'est pour ça que le prophète Al-Sallam a dit que même si tu jettes le truc à l'extérieur, tu jettes, c'est-à-dire le liquide séminal, tu le jettes à l'extérieur, si Allah veut donner un garçon ou un enfant, il le donnera. Étaient ensemble où? S'ils ont vécu à la même époque, ça ne veut pas dire qu'ils étaient ensemble, ça veut dire qu'ils étaient fiancés. Ou là qu'ils marchaient ensemble, ou là, ça, ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais été prouvé cela. Ni dans le Coran, ni dans un hadith. Et s'ils étaient fiancés auparavant, tout le monde aurait dit donc, celui-là, il n'est pas venu d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un miracle. Celui-là, c'est le fils de cet homme. C'est pour ça que lorsqu'il lui en parlait, il lui dit, j'ai oublié ce que lui a dit. Fika barakallah. Inch'Allah ta'ala, j'en reparlerai une autre fois. Abu Muhammad, tafadhal. Abu Muhammad, tafadhal. Assalamu alaikum, chef. Barakallahu fikoum. Wa jazakumullahu khairan. Je voulais savoir s'il nous est permis de désobéir aux parents pour aller faire le hajj, sachant qu'ils veulent qu'on le repousse de quelques années, et pareil pour aller faire du talibin dans un autre pays.
Barakallahu fikoum. Naam, en ce qui concerne le Hajj, normalement personne n'a le droit de dire à quelqu'un c'est pas le moment ou là de repousser, etc. Et la même chose pour Talib al-Ilm, si c'est Talib al-Ilm, car Talib al-Ilm, ça diffère. Des fois c'est pour apprendre la vraie aqida, etc. Et des fois pour apprendre des choses qui ne sont pas très nécessaires en ce temps. Par exemple, s'il va pour Talib al-Ilm, par exemple, pour apprendre la science de l'héritage. Ça, ce n'est pas très très important. Il y a la aqida qui passe avant cela. Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas dans l'endroit où on est, si dans l'endroit où il y a, où on est, il y a, il est préférable de rester pour garder, pour avoir deux choses, Talib al-Ilm et l'obéissance des parents. C'est pour ça que moi je dis à quiconque qui a des parents qu'il essaie au maximum d'avoir, Inch'Allah ta'ala, leur permission. Pourquoi? Parce que maintenant, Inch'Allah ta'ala, toi tu vas aller, etc. Quand tu reviens, c'est peut-être ils vont ne plus te parler. C'est peut-être ils vont ne plus parler à cette personne. Ils vont y aller, bien sûr, même si tu ne parles pas, ce n'est rien car tu as fait ce qu'Allah a te dit de faire. Mais on va rentrer peut-être dans beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'il essaye, l'insan, il essaye de convaincre. Il essaye de convaincre les parents, yani, avec des délits, avec, il leur fait venir des gens respectueux dont ils ont, par exemple, honte. Il parle à son oncle va parler à son père. Il parle à sa tante va parler à sa mère. Inch'Allah ta'ala, de préférable qu'il fasse cela. Wallahu ta'ala a'lam. Je demanderai, Inch'Allah, au ulama en ce qui concerne ta question. Souleymane, tafadhali, barakallahu fik.
Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je ne sais pas où j'étais exactement. C'était quoi la dernière question? C'est quoi la dernière question? Parce que j'étais déconnecté. Souleiman, je ne vois pas exactement de qui tu parles. Est-ce que tu as parlé de deux personnes ou d'une seule personne? Mohamed Hassan Yaqub. Je crois qu'il ne s'appelle pas comme ça. Je crois qu'il y a Mohamed Hassan, il y a une personne, et je crois qu'il y a Mohamed Hassan Yaqub, c'est une deuxième personne. Allahu a'lam, tu parles de qui exactement? Hassan Yaqub, Ada? Quelqu'un qui passe à la télévision, un vieux avec une barbe blanche, qui n'a pas beaucoup de moustache, qui rase sa moustache? Non. Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui qui passe? Si je suis sûr, c'est moi. Naam, il est sur un site islam, oui. Naam, en ce qui concerne ce qui m'a dit Youssef a vécu avec Malim, ça, ils ont vécu ensemble, mais ils n'étaient pas fiancés. Ils ont vécu ensemble, comme beaucoup de prophètes ont vécu ensemble, mais ils n'étaient pas fiancés. J'ai dit que il faut d'abord que je sache de qui tu parles. Il faut d'abord que je sache de qui tu parles, si tu parles de la même personne dont je suis en train de parler. Sinon, on peut aller se tromper et faire tromper les gens. Nam, c'est un Égyptien. Nam, chauffé. Si c'est celui-là, si c'est un Égyptien qui s'appelle Mohamed Yaqub, très connu, et qui a une barbe blanche, il ne porte pas beaucoup de moustache, les salafis ne le rentrent pas dans le carnet des salafistes. Il n'est pas noté dans les carnets, ils ne disent pas celui-là, c'est un salafi, on va lui demander le ilm, etc. Celui-là, c'est quelqu'un qui parle yani, du bon comportement, qui parle de l'enfer, qui parle du paradis, etc. Mais il n'est pas quelqu'un yani, qui est pris comme yani, un repère de la salafia. Pourquoi? Parce que je ne suis pas très sûr qu'il soit un salafi. Je suis même sûr qu'il ne l'est pas, inshallah ta'ala. Ummuriyam, tafadhali. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir, parce qu'on m'a dit que si je passe le salam, je ne dois pas dire marfirato. Et c'est seulement la personne qui nous répond qui a le droit de le dire. Est-ce vrai ou pas? Barakallahu fi. Pardon, ma soeur, c'est la première fois que j'entends ce que tu viens d'écrire ou viens de dire. C'est la première fois que j'entends que ce que tu viens de dire. Ça veut dire que si quelqu'un dit salam alaikum, il ne dit pas salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, marfirato. Je ne connais pas quelqu'un qui a dit cela. Je ne connais pas quelqu'un qui a dit cela. Mais si tu peux, Inch'Allah Ta'ala, si tu peux, tu demandes à ce quelqu'un où est le dalil. Moi, je ne connais pas ce dalil. Si tu peux, tu me dis, Inch'Allah Ta'ala, tu lui demandes de dire où est le dalil qui dit qu'on ne doit pas dire cela et qu'on laisse cela seulement pour la réponse. Inch'Allah Ta'ala, Jazik, vous voudrez le dalil, Barakallahu Fik, s'il est vrai comme ça. On ne dira plus, Inch'Allah Ta'ala. Ou Barakallahu Fik. Zone Z, tafadhal. Wa alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh, maghfiratou. Je voudrais savoir si c'est vrai qu'il n'est pas bien d'avoir des photos chez soi, car avec cela, les anges ne rentrent pas dans ces demeures-là. Ainsi que des vidéos de personnes mortes ou vivantes de notre entourage ou autres, barakallahu fik. En ce qui concerne les photos, de préférence, l'insan n'a pas de photos. Et c'est très difficile maintenant, les maisons, il n'y a pas de photos, bien sûr. De préférence, j'ai dit quelqu'un, s'il peut, il ne se photographie pas. Il a seulement pour les cartes d'identité, etc. Pourquoi? Parce que beaucoup de ulama ont dit, la photo elle est interdite. Par contre, j'ai dit que
si quelqu'un se filme en direct, si on filme quelqu'un en direct, beaucoup de ulama ont dit c'est permis. Et si c'est une vidéo qui a maintenant une vidéo d'une personne morte ou là, mais qui comporte par exemple da'wa ou là, par exemple Cheikh Ibn Uthaymin a des vidéos quand, lorsqu'il est parti faire des dos aux États-Unis, etc. Il y a des gens qui ont sa vidéo, pourtant il est mort. Mais pourquoi aller? C'est pour quoi? C'est pour, comment dire, c'est pour gagner le bien de l'islam, etc. Il n'a pas fait une vidéo pour louer sa famille, il a fait pour gagner l'islam, etc. C'est pour ça que, en ce qui concerne la vidéo, yani, je ne peux pas dire ni oui ni non. Je ne peux pas dire ni faites ni ne faites pas. Je préfère dire pour les photos ne faites pas, mais la vidéo, yani, ce n'est pas grave autant que les photos. La vidéo, ce n'est pas grave autant que les photos. Mais je préfère ne pas dire aux gens filmez-vous, et je ne peux pas dire aux gens pourquoi vous vous filmez. Je préfère, inshallah ta'ala, me taire jusqu'à ce que, yani, parce qu'il y a beaucoup de divergences dans cette question. Il y a beaucoup de divergences entre les ulama dans cette question. Mais je voudrais seulement dire que ceux qui ont des vidéos de personnes mortes, etc., qu'est-ce qui n'est pas bien? Vous savez, ce qui n'est pas bien, c'est que tu vas voir quelqu'un qui est mort, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un de ta famille, ça va quoi? Ça va te déchirer le cœur. C'est comme ça qu'a dit Cheikh Saadi, alayhi rahmatullah. A dit, en fin de compte, quand tu vois des photos de quelqu'un de mort, ou là une vidéo, c'est pire, la vidéo, tu le vois comme ça devant toi, en train de parler alors qu'il est mort. Imagine, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton mari. C'est très difficile de voir rien des choses comme ça. Pourquoi ça déchire le corps? والله تعالى أعلم. أم سليمان تفضلي بارك الله فيك تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. J'aimerais que vous m'expliquiez si vous avez le hadith qui dit que la femme n'a pas le droit d'enlever le djilbab en dehors de sa maison. Qu'est-ce qui a dit ça? أم سليمان du 13. نعم. Je vais t'expliquer inshallah ta'ala. Si tu es prête à écouter, écris-moi numéro 1. Naam, naam. Écris-moi numéro 1 si tu es prête, inshallah ta'ala. Naam. Voilà la réponse. Il y a un hadith qui a dit que, en ce sens, hein, il est vrai, bien sûr, authentique et sahih. Il a dit, attends d'abord, je vais me souvenir ce qu'a dit ce hadith. En ce sens, il a dit, yani, quiconque qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle ne se déshabille que chez ses parents. Inda ahliha, ou quelque chose en ce sens. C'est un vrai hadith. Mais beaucoup, par malheur, n'ont pas compris leur sens, son sens, pardon, et comme j'ai dit l'autre jour, ils l'ont expliqué de leur tête. Alors ce hadith parle de Salama, et il veut dire que, il voulait montrer que, c'est dans le contexte qu'il est interdit à une femme d'aller, ce qu'on appelle au bain mort, le hammam, d'aller au hammam, hein, en Algérie, il y a le hammam, peut-être qu'il n'y a pas en France, ou là je ne sais pas, ça s'appelle le bain mort. Il est interdit à une femme d'aller au bain mort, de se retrouver là-bas avec des femmes, etc. Elle se dévêtit, etc. Alors, en ce sens, qu'elle ne se déshabille pas, ça veut dire, ne se déshabille pas dans le bain mort. C'est comme ça que l'ont expliqué la plupart des grands ulamas. C'est pourquoi il est permis, si c'était comme ça en général, ça veut dire que elle n'en devrait pas encore ses vêtements quand, par exemple, elle va chez sa tante ou elle va chez sa sœur. Quand, par exemple, moi, par exemple, ma femme va inviter un couple. Ça veut dire que, là, elle va pas, cette femme, c'est interdit, par exemple, qu'elle enlève ses vêtements. C'est interdit, si le matin elle est en djanaba, c'est interdit qu'elle se lave dans ma baignoire. C'est interdit. Tout ça, c'est faux, bien sûr. C'est pour ça qu'une femme peut enlever son vêtement dans le magasin pour essayer quelque chose, si toutefois c'est pas devant un homme, c'est pas l'homme et c'est pas mélangé et personne ne te voit, tu rentres, tu fermes ma clé, etc. Ceci, inshallah ta'ala, est permis. C'est ça le vrai sens du hadith, inshallah ta'ala. Ummu Maryam, on termine, inshallah ta'ala, tafaddali. Wallahu ta'ala a'lam. Souleymane m'a fait rire quand elle m'a dit sur une plage. La hawla wa la quwwata illa billah al-'ali.
ma soeur Oum Souleymane, j'ai dit qu'une femme devait faire le maximum. Naam, voilà, une femme, si elle est dans un endroit isolé, elle est seule et elle sait que personne ne va la voir, ça ce n'est pas interdit. L'interdiction c'est que elle sait que à droite et à gauche il y a des gens qui nous voient. Il y a l'autre là-bas sur la montagne qui est en train de me voir. Là, c'est interdit. Et quand elle est dans un endroit seul, personne ne peut la voir. L'interdiction c'est pas de nager ou là, voilà, à l'abri des regards. L'interdiction c'est pas de nager et c'est de se montrer. C'est pour ça que même quand elle est dans un endroit caché, de préférence, par exemple, elle nage avec sa djibba. Vous connaissez la djibba que mettent les kabyles, les femmes kabyles. De préférence, elle met la djibba et le foulard. Ça, c'est mieux. Pourquoi? On ne sait jamais. Il y a quelqu'un qui peut passer sans qu'on le veuille. Sans qu'on le veuille. Comme Adam, t'as fait balayer. Je crois que tu avais posé la question. Comme c'est la fois barakatou. Ma question, c'est la zakat. Est-ce qu'on l'a donné? Naam, comme Adam. Je t'ai répondu, je crois que tu étais absente. Je t'ai répondu, ça fait à peu près une demi-heure, Inch'Allah Ta'ala. Mais puisque tu étais absente, je te réponds. Astaghfirullah, tu voulais. La zakat, le livre dont je voulais te répondre, je croyais qu'il était avec moi à la maison. En fin de compte, il n'est pas là avec moi, mais je te dis de ce que je sais. Si tu la donnes à une association, pour que elle, cette association, la donne aux pauvres. Il y a des associations, si tu leur donnes l'argent, ils donnent la zakat. Ici au Koweït, il y a certaines associations qui ont des noms. C'est écrit comme ça, il te dit, donnez-nous votre zakat. Ce sont eux qui vont la donner aux pauvres. Si en ce sens tu la donnes, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu avais dit à quelqu'un, je te donne ma zakat, va la donner aux gens. Ça s'appelle l'ouakil, tu les as fait, ou au kala. Mais si tu donnes à Hadith Secours pour eux, yani qui la garde, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que la zakat, on la donne que à quelqu'un qui il devient son propriétaire. On ne peut pas la donner à une association qui n'a pas de propriétaire. Il y a 5 ou 6 qui ont fait ce qu'on appelle l'Ejna. Ils ont fait un groupe et ils ont formé une association. Tu leur donnes l'argent, personne n'est son argent. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas la prendre. Mais si tu la leur donnes pour que eux, ils la donnent aux pauvres, ça, Inch'Allah Ta'ala, c'est permis. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. S'ils veulent la faire sortir à cause de toi, à ta place, Inch'Allah Ta'ala, c'est permis. Mais s'ils la prennent eux, ce n'est pas, on ne peut pas la donner parce que l'Azawil a dit, il y a huit dans la zakat, on donne à 7 ou 8 où ils sortent, il n'y a pas le secours islamique. Il y a 7 ou 8 groupes dont le secours islamique ne se trouve pas à l'intérieur. Il y a les pauvres, il y a le Mu'allafat Qulubuhum, il y a les Fisabilillah, il y a ceux qui ont les dettes, mais il n'y a pas cela, Inch'Allah Ta'ala. Je m'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala. On s'était arrêté, Inch'Allah Ta'ala, le temps s'est terminé. Fiki Baraka, le temps s'est terminé. Je croyais qu'il n'y avait plus personne. Tfadal, ouais, c'est bon, maintenant qu'il a la main, khlas. Tfadal, Adel, Adel 476, Tfadal. Tfadal, Baraka, l'offre. Tu comprends, Tamallah, quand quelqu'un lève sa main, on ne peut pas la lui enlever. Ensuite, tout le monde va lever. Ensuite, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas jusqu'à la prière de quoi? Du Fajr. C'est qu'il a 32, j'ai oublié ta question, elle était quoi, j'ai oublié. Oui, on m'a averti, Inch'Allah. C'est là, moi. Tafadal Adel. Abdel 476, tafadal. En ce qui concerne les vêtements rouges, Pourquoi? Hein?
Interdit, je comprends pas. Oh, inshallah, d'accord, demain, inshallah. Les vêtements rouges, il y a beaucoup de divergences entre les ulama sur les vêtements rouges. Les vêtements rouges, comme Ibn Qayyim, Shawkani, on parlait de ça. Ceux qui ont dit c'est haram ou bien makruh, et les autres ont dit non, on peut les mettre, et d'autres ont dit, parce qu'il y a des vêtements, il y a des hadiths où il est dit que le prophète sallam s'était habillé en rouge. Ibn Qayyim a dit, certes en rouge, mais un rouge avec des rayures par exemple, des rayures noires. Il a dit, pas un rouge à 100%, un rouge avec des rayures par exemple noires. Donc maintenant nous, pour sortir de la divergence, qu'est-ce qu'on va dire? De préférence, si on s'habille en rouge, au moins qu'il soit un rouge mélangé. Il y a un rouge avec du noir, un rouge avec du vert, etc. Pourquoi? Pour sortir, inshallah ta'ala, de la khol. Sinon, au maximum, yani, ce n'est pas haram et ça rentre dans le makruh. Ce n'est pas haram, inshallah ta'ala, et ça rentre dans le makruh. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était habillé de rouge, comme il est noté dans beaucoup d'ahadiths sahiha. Sauf ceux qui ont dit, bien sûr, le rouge ici, ça veut dire qu'il avait des rayures. والله تعالى أعلم. نقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. On se rencontre demain inshallah ta'ala à la même heure. On a un dars inshallah ta'ala sur la aqida, si je me trompe pas. Ma mère n'est pas musulmane, mais je suis converti récemment. Elle le désapprouve et nos rapports sont en foi. Elle le désapprouve. Elle désapprouve quoi? Le rouge ou bien l'islam? Elle désapprouve les habits rouges ou l'islam? Ah, bien sûr. Abdel, bien sûr. Tu convertis, elle désapprouve nos rapports sans foi. Naam, laisse-les en foi. Toi, Inch'Allah ta'ala, tu essayes au maximum. Même elle est kafira, elle n'est pas musulmane. Et toi, au maximum, tu essaies d'être bien avec lui. Tu lui achètes ce qu'elle veut, tu lui donnes ce qu'elle veut. Quand ça vient d'elle, c'est elle qui est froide, qui veut pas, etc. Là, c'est entre elle et son âme. Toi, envers Allah, tu as fait le maximum. Même elle étant kafira, tu es quand même bien avec elle et tu essayes d'être bien avec elle. Mais maintenant, c'est pas à cause d'elle que Insan va dire donc je vais ne pas être musulman à cause d'elle. Non, c'est impossible. Toi, tu resteras toujours, Inch'Allah, musulman jusqu'à ce que tu meurs musulman. J'ai fait des efforts, mais pas elle. Naam, naam. Toi, tu as fait des efforts, Allah Azzawajal est témoin. Allah Azzawajal est témoin et Allah Azzawajal ne va pas te dire pourquoi. Yani, tu n'as pas fait plus que cela. Tu fais ce que tu peux et elle est libre. L'essentiel quoi? C'est que l'azur qui t'a créé, tu l'adores. Tu l'adores, celui qui t'a créé. Elle maintenant, elle ne veut pas suivre le chemin. L'azur t'a dit, même en étant elle, mécréante, il t'a dit quoi? Il t'a dit d'être bien avec elle. Hein, d'être bien avec elle, de la respecter, de lui faire ce qu'elle veut, etc. Mais toujours sans sortir des normes, sans sortir des normes, bien sûr. J'arrête, Inch'Allah ta'ala, là. J'ai déjà fait le doigt qui termine le dars. Ensuite, je vois qu'il y a deux autres qui ont levé le doigt. Naam, sur la nuit du destin, j'ai pas compris qu'est-ce que je dois dire. Est-ce que tu n'étais pas là quand j'ai expliqué? Est-ce que tu n'étais pas là quand j'ai expliqué? Est-ce que je redis ce que tu n'as pas entendu ou là tu as entendu, tu n'as pas compris? Barakallahu fik, dis-moi, est-ce que tu n'as pas entendu? Si, mais j'ai pas compris. Naam, tu n'as pas compris quoi? Je dis, je répète, la azawajal, dans la nuit du destin, il va écrire pour l'année ce qui va se passer. Une année, il va tout écrire ce qui va se passer. Ce qu'il va écrire, c'était déjà écrit sur le tableau préservé. Tout ce que tu vas faire, c'est déjà écrit. Allah Azza wa Jal savait ce que tu allais faire
Mais chaque année, il fait comme un résumé. Voilà ce qu'ils vont faire cette année. Et il va donner des choses, etc. Des choses qu'il va donner, il va allonger la vie de certains gens, etc. Pourquoi il va allonger? Parce que c'était déjà écrit au tableau préservé que celui-là, quand je vais le créer, il va faire ceci, cela. Et j'allais lui donner 60 ans. Mais puisqu'il, je savais qu'il allait faire ceci et cela, je lui ai rallongé sa vie. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est encore Yanné Nam. Oui, mais durant cette nuit, est-ce que ça peut changer pour nous? Nous sommes des séances en. Cette nuit-là, rien ne change. Cette nuit-là, rien ne change. Je veux dire quoi par là? Faisons des doigts. Nam. En faisant des doigts. Nam. Nam. Tu fais des doigts. Pourquoi? Tu fais des doigts parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il y a. Pourquoi tu fais des doigts? Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a sur le tableau préservé. C'est-à-dire que si quelqu'un pouvait voir ce qu'il y avait sur le tableau préservé et c'est écrit qu'il va en enfer, c'est pas la peine qu'il fasse des doigts. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas changer. Mais puisqu'on ne sait pas, nous, on ne sait pas où on va partir. Peut-être que je suis des gens du paradis. Si je suis des gens du paradis, Allah Azzawajal savait que j'allais entrer au paradis à cause des doigts que j'allais faire, etc. Donc je dois faire des doigts. Et des doigts contre l'enfer. Que Allah Azzawajal ne me rentre pas en enfer. Tout cela, comme a dit le prophète Aslam, lorsqu'il leur a dit ça, il leur a dit, alors c'est pas la peine qu'on fasse des choses. Il a dit non. Non, faites. Pourquoi? Parce que personne ne sait où il va aller. Personne ne sait où il va aller. Donc moi je profite, je fais tout mon possible de faire les doigts, etc. Pourquoi? Parce que si c'était écrit que j'aille au paradis, je vais aller, Inch'Allah Ta'ala. Mais si j'avais vu sur le tableau préservé que j'allais en enfer, là, bien sûr, je n'aurais pas fait. Parce que rien ne peut changer cela. Ensuite, l'Azzawajal savait que tu allais faire telle et telle chose, c'est pour ça que il a écrit que cette personne va faire telle et telle chose, va faire des doigts. Même les doigts, c'est rentré dans l'écriture. Il a dit cette personne va faire beaucoup de doigts, etc. Et ce sont ces doigts qui vont la faire rentrer au paradis. Donc il a écrit en haut que cette personne va aller au paradis parce qu'en terre, elle va faire des prières, elle va faire des doigts, elle va faire la prière la nuit, etc. Etc. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fik, pour vous avoir retenu. Naam, salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Abou Mariam, tfadl. Abou Mariam, tfadl. Vous avez-vous entendu parler d'un hadith comme quoi le prophète islam aurait déjà parié sur une course de chevaux entre Sahaba, si oui, est-il donc permis de jouer au tiercé? Barakallahu fikoum. Non. Il n'y a jamais de hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parié. Il y a un hadith de Abu Bakr qui avait fait le pari avant, le pari ça s'appelle, avant que ça soit interdit.